Bonjour, chers auditeurs, euh, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandeira Nera, et bien sûr, euh, l'émission rebelle, résolument anticonformiste. Euh, donc, bienvenue sur cette, cette nouvelle croisière corsaire, Donc euh, en compagnie ce soir de votre serviteur, M. PGL, assisté comme toujours par Lord Tesla, notre maître suprême de la technique, sans lequel, bien sûr, il faut toujours le rappeler, euh, cette émission ne serait pas possible. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'inviter deux personnes dont j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire la connaissance récemment. Euh, qui nous allons voir ont à la fois beaucoup de points communs, mais aussi des personnalités différentes pour euh, éclairer euh, plusieurs euh, sujets qui nous sont chers, euh, en résonance aussi avec l'actualité bon, euh, la plus brûlante et la plus immédiate. Euh, je précise que cette émission donc, est prête à enregistrer le 12 décembre, donc, au lendemain de la fusillade attentat, est, euh, qui a eu lieu à Strasbourg, et aussi à quelques jours euh, donc, de l'acte 4. Donc, de la présence des Gilets jaunes à la fois à Paris. Et dans le reste du pays, donc euh, dans ce contexte d'effervescence insurrectionnelle, dont on ne sait encore aujourd'hui si elle peut déboucher à terme sur justement une effervescence véritablement révolutionnaire. Hein, bon, euh, pour laquelle nous marquons un certain intérêts. Hein, je pense que beaucoup d'éditeurs l'ont compris. En tout cas, hein, dans les, les possibilités historiques qui s'offrent bon, euh, au peuple français et aux peuples européens en général de changer la donne, de manière de, de pouvoir peut-être opérer, bon, véritablement. Euh, euh, un, visa, un virage à 180 degrés bon, vers une, une, une alternative véritablement radicale au sens strict du terme. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'ordre alphabétique... Christian Combaz, Christian, bonsoir. Bonsoir. Et Rémi Soulier. Bonsoir. Rémi, bonsoir. Donc, euh, vous avez publié tous les deux récemment deux ouvrages. Enfin, euh, Christian va y revenir. Hein. C'est une republication, c'est une réédition d'un ouvrage aussi qui a eu d'ailleurs un itinéraire assez singulier, mais il va y revenir. Donc, Christian euh, Combaz a, a réédité euh, récemment un ouvrage intitulé Portrait de Marianne avec un, ma un poignard dans le dos. Donc, aux éditions euh, Le Retour aux sources. Donc qui est, sorti, qui est ressorti il y, a, il y a quelques mois, une édition réactualisée, comme je l'ai dit. Et Rémy Soulier a publié donc très récemment chez euh, le dynamique éditeur Pierre-Guillaume de Roux un ouvrage curieusement intitulé, mais on va voir pas si curieusement que ça, Racination. Donc euh, voilà, on va le voir, un ouvrage de tout en méditation philosophique et métaphysique sur bon, euh, un sujet qui nous est cher sur lequel nous allons revenir, donc euh, les racines. Alors, euh, bon, euh, au niveau des ouvrages, bon, euh, précisons, euh, je, je, je reprends avec Rémi Soulier, donc il a publié pratiquement une dizaine d'ouvrages, euh, parmi lesquels je... Je me plairais à citer les Châteaux de Glace de Dominique Deroux. Hein, Dominique Deroux qui nous est cher hein, dans cette radio. Il y a eu une émission qui lui a été consacrée. Euh, le curé d'Ars ou le vieux Rouergue. Hein, là, on va faire ses allusion à son Aymat, à sa oui. patrie charnelle. Mm -hmm. euh, Nietzsche, l'assassin de Donizac. Un, 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 un petit vin de Mécombe qui est disponible en poche aux yeux du Seuil, que je recommande fortement. Et pour celui Pierre Pierre voilà aussi qui est sorti chez Pierre-Guillaume Deroux. Or, Christian combaz, lui, est, est romancier philosophe chroniqueur, donc il a publié de, de très nombreux ouvrages chez de nombreux éditeurs, hein, je crois Robert Lafont, Flammarion, Stock, Seuil, hein, aussi, hein, euh, Seuil aussi, à une époque en tout cas, il fut un temps, oui. d'une certaine manière. Alors euh, cette émission, bon, je souhaite un petit peu, enfin, à travers les, les sujets qui sont abordés dans ces ouvrages, on peut faire un aller-retour entre... Euh, L'antithèse et la thèse. L'antithèse, c'est principalement ce qui est abordé dans le livre de Christian, c'est-à-dire cette caste euh, politico-médiatique, euh, médi euh, économique aussi, qui, euh, en fin de compte, bon, a contribué à transformer durablement notre pays depuis plus d'une trentaine d'années. Et que Christian donc a fréquenté, va, il va nous le dire donc euh, dans sa jeunesse, et puis tout au long de son parcours euh, d'écrivain et son parcours professionnel. Donc c'est quelque chose qui meuble une bonne partie de, de son ouvrage. dont l'antithèse c'est ça. Et aujourd'hui on en voit les effets paroxystiques avec la Macronie, euh, la Macronie au pouvoir, hein, qui est en fin de compte une accélération de ce processus et qui marque aussi une mutation anthropologique d'ailleurs de ce personnel. Mais il va y revenir tout de suite. Technologique hein. aussi. Et technologique, on va y revenir. Et puis la thèse, bien sûr, c'est euh, l'antidote quelque sorte, c'est une nécessité impérieuse, euh, un véritable impératif, celui de euh, l'enracinement, plus que l'identité d'ailleurs. Hein. Bon, Rémi va y venir. Donc, euh, à travers justement bon, une démarche euh, de retour et de réancrage dans euh, ce qui nous fonde, nos petites patries. Et là, bon, euh, tous les deux bon, euh, en parleront, et Rémi en particulier, qu'il a abordé euh, sur un mode, comme je dit tout à l'heure, euh, plus méditatif, euh, euh, profondément philosophique et, euh, et métaphysique, hein, à travers des, des parcours qui nous mènent de son rouergue natal, euh, via la Grèce antique, et cette nouvelle justement à Grèce que fut euh, l'Allemagne romantique, hein, à travers donc, des figures sur lesquelles il va revenir. Alors, je, me permets, je vais tout d'abord do, donner la parole à Christian, donc, qui va d'abord... Euh, s'il veut bien évoquer un petit peu le, le cheminement singulier de cet ouvrage, et en fin fait de compte, et revenir un petit peu sur euh, une partie de sa jeunesse euh, qui l'a amené justement à fréquenter déjà ce monde. Euh, ce, euh, monde des. ce monde faisant des. Alors, le livre en question est un livre euh, qui a connu un destin en effet relativement anormal aujourd'hui, puisqu'il il a été authentiquement censuré par son propre éditeur. C'est-à-dire que la chose rare, c'est que son éditeur me l'a acheté. La composé a composé la couverture et qu'une semaine avant la sortie de l'imprimerie, euh, il me dit désolé je ne le fais pas tu peux garder l'argent et donc c'était un peu avant les élections macroniennes. Euh, du coup ça m'a un peu énervé. J'ai gardé le tipon, je l'ai envoyé à Amazon. J'en ai fait un, 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 une chose papier un peu en hâte. On l'a vendu aussi la version. J'ai vendu la version euh, numérique. Qui s'est très bien vendu pendant tout l'été et un éditeur, le retour aux sources a eu la gentillesse de me racheter le livre papier un an après pour le publier, le republier sérieusement cette fois avec cinq chapitres de plus qui correspondaient à l'année écoulée, c'est-à-dire l'année Macron. Voilà, ça c'est le contexte éditorial qui est relativement euh, inédit, puis si j'ose dire, puisque euh, un cas de censure aussi avéré avec euh, dans les minutes, les minutes du procès sont disponibles sur Internet. Enfin, si vous voulez voir les lettres de l'éditeur, enthousiaste d'abord et froide après, il y a quelque chose quand même d'accablant pour le régime aussi. Voilà. Alors première chose et pourquoi, pourquoi cette censure Parce que le livre contient évidemment un portrait très euh, à la fois inquiet et inquiétant, euh, de, euh, du monde que je viens de traverser durant les 30 ou 40 dernières années ce monde dont j'ai vécu, puisque j'ai été euh, écrivain, mais pour, être, pour rester écrivain, pour en vivre et pour donc avoir une retraite que je, que je suis en train de toucher depuis six mois, il faut pouvoir en vivre, pouvoir vivre de sa plume. Et comme, comme auteur, c'est de moins en moins possible. Ça l'a été pendant la moitié de ma carrière, l'autre moitié ayant été comblée par du journalisme et des travaux, notamment de, de, de traduction, des travaux de circonstances. Que j'ai toujours réalisé sous le nom de ma mère, dont j'ai n'ai pas lieu d'avoir trop honte, mais enfin qui m'ont permis de toucher la superficialité, la nullité du, du, de, de ce monde marchand euh, qui est le nôtre, y compris dans le domaine de la création. Voilà. Donc euh, voilà, pour résumer, je me suis retrouvé euh, vers 50 ans, C'était n'était pas une victoire morale, euh, le concurrent des livres que j'avais traduits de l'américain dans les vitrines. cest à en gros, mais même les, les chroniqueurs du Figaro Magazine, ignorant que j'étais l'auteur de la traduction, disaient que le livre américain était formidable et que le mien était moins, moins intéressant, ou alors le libraire lui-même, le laissant, laissant le mien euh, dans l'arrière-boutique et mettant le livre que j'avais traduit en, en vitrine. Je dit que c'est quand même euh, une parabole assez étonnante à décrire. Donc je la décris dans ce livre, en même temps que tout ce qui va avec, c'est-à-dire les voyages pour le compte du Figaro, toute une espèce de de mélange de, de peau pourrie de, de, de journal un peu, un peu à la Jules Renard sur, sur le monde que j'ai traversé euh, qui est un monde euh, pas tellement pittoresque, enfin pittoresque si mais pittoresque dans, dans, dans le genre accablant quoi euh, voilà. alors si vous permettez euh, Christian nous pourrions y revenir donc euh, dès, dès ses débuts oh. votre patronyme d'ailleurs traduit je crois une, une origine savoisienne oui je suis savoyard, savoisien parce que savoisien oui. c'est très politique oui <laughs> je suis savoyard, savoyard et un savoyard, peu ouais. savoisien fort que voilà. Euh, voilà mon père a écrit une biographie fille de là donc euh, je suis membre honoraire, enfin non, je suis membre associé de l'Académie de Savoie, euh, dont mon père était membre euh, plénier. Euh, donc voilà, bref, on est, on est en effet lié à, notre, à, nos, à nos racines savoyardes, avec grand plaisir. Euh, J'en ai adopté d'autres, comme nous allons le dire, puisque j'ai très tôt, avec mon premier argent, donc vers 25 ans, acheté une maison dans le Rouergue, d'où je suis devenu sans le savoir, le voisin de Redmi, euh, lequel m'a écrit un jour: On a 15 ou 20 ans de différence en me disant, est-ce que, etc. On, a, on est entré en relation par ce biais. Et puis voilà, ça, ça va. Maintenant, évidemment, la différence d'âge ne se voit plus. Quand même un peu. Enfin. Mais enfin, voilà. Donc, euh, c'est amusant. J'ai donc ép ép épousé très tôt d'autres racines que les miennes. Euh, je les ai réépousées d'ailleurs récemment, puisque je viens de racheter une maison en Rouergue. Euh, je suis très satisfait de pouvoir montrer que les racines, ça s'adopte ça aussi. Hein. Oui. Alors, on parle de racines, mais bon, euh, une partie de votre enfance, mais pratiquement toute votre enfance, votre adolescence, vous la passez à Paris. Voilà, donc Alors, en gros, mon père est un, un agent économique de la modernité, ingénieur. Il se promène à la faveur des, des nominations. Il finit à 15 ans, enfin, quand j'avais 15 ans, par être nommé à Paris. Je me retrouve chez les Jésuites de Paris, puis à Sainte-Croix-de-Neuilly, puisque les Jésuites de Paris euh, ne, ne faisaient plus passer le bac très littéraire. Donc, je me retrouve dans le collège de Monterland, à Neuilly-sur-Seine, en 60 71. Mmh. Et en 71, c'était l'époque de Paul Naref euh, et c'était l'époque du lycée Pasteur où la France des bronzés était en train de naître puisque euh, l'équipe des bronzés était élève au lycée Pasteur, c'est-à-dire juste en face. Et vous aviez donc la coexistence de deux mondes, l'un dont je sortais qui pensait qu'il avait encore un droit naturel à exercer une influence sur les affaires de la France notamment morale, et l'autre qui sentait très bien que la délicacence allait être, allait être tellement prononcée qu'on pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est ce qu'on fait les bronzés pendant tant d'années. Et donc euh, ils ont, ils, ils sont devenus ce qui ce qu est devenu par exemple la gauche millérandienne, c'est-à-dire d'abord des fantaisistes, puis ensuite qui gagnaient de plus en plus d'argent. C'était les années Chaba, les années euh, Canal voilà, ouais. Et puis donc ces gens-là ont gagné tellement d'argent qu'ils sont devenus boursicoteurs, puis investisseurs, puis 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 puis, euh, puis en fait parrain, parrain parrain économique producteur et donc le, le, le sort le sort financier par exemple et moral d'un type comme Arthur ou bien de Alain Chabat c'est ahurissant on n'aurait jamais pensé ça à 20 ans. Euh, et ça s'est fait sur les décombres de la France dans laquelle j'avais été élevé. Nous avons été élevés avec Rémi. Alors justement, cette France dans laquelle vous été élevé, c'est un petit peu l'antithèse de celle qui est en gestation, donc à l'époque, de adolescence. Et d'emblée, lorsqu'on prend les 20 premières pages de votre ouvrage, ben, on est confronté à des portraits saisissants. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous saisissez aussi la psychologie des personnages qui vont être amenés à jouer un rôle trop important, on dire, dans, dans le destin de notre nation. Et je pense notamment au couple Hollande. Vous allez aborder plus tard aussi le couple sarkozy et justement vous, vous traduisez cette problématique notamment du rapport au père est ce que vous pouvez un petit peu développer Alors moi quand j'ai connu le couple hollande c'était pas un couple oui voilà c'était en salle ça. de bibliothèque euh, hollande avait ses, ses, ses rouflaquettes et ses lunettes euh, ses lunettes genre Starsky et Sarsky et hutch et euh, c'était juste un rat de bibliothèque ordinaire qui faisait ricaner tout le monde parce qu'il avait, il avait déjà la tête qu'il a aujourd'hui. Euh, et, et donc, Mais euh, en, en même temps, c'était des gens un peu tartes, quoi. Euh, sauf que c'était des gens tartes qui grattaient toute la journée, qui lisaient plein de livres utiles. Hein, J'avais du Balzac, évidemment. Euh, sans ça, on aurait vu, on, on l'aurait vu parler un français, un autre français après. Euh, donc. Euh, il a, il a accumulé des connaissances de, euh, qui étaient utiles pour l'époque, c'était des connaissances purement technocratiques. Il est devenu auditeur au Conseil d'État, non, à la Cour des comptes. Et, et bref. Et ensuite, il intègre l'équipe Mitterrand, parce que Mitterrand était un vieux de la vieille, très ignorant au fond de tout, de tout ce qui touchait aux affaires techniques de l'État. Et il s'est entouré de ces gens qui venaient d'apprendre les techniques modernes de la gestion d'un État, c'était comme, comme, comme une entreprise, quoi, en gros. Donc, euh, on a vu arriver toute une série de gens qui n'avaient aucune profondeur. Euh, je mets légèrement à part euh, Jacques Attali, puisque lui, il a une certaine profondeur dans le mal. <rire> <rire> il voulait signer Mais, à plusieurs reprises. Voilà. Courage, ouais. Mais les autres ouais. sont en effet des gens extraordinairement, euh, extraordinairement euh, superficiels. Et je veux citer le cas de Ségolène Royal, puisque ensuite, je l'ai croisé comme auteur aux éditions Robert Laffont, dix ans après environ, puisque j'étais un auteur vedette de cette maison. J'avais écrit un livre qui marchait très bien, qui s'appelait « Éloge de l'âge ». Et on voit arriver Ségolène Royal, qui, profitant de ce, de ce filon, écrit un livre qui, qui était l'antithèse du livre un peu philosophique que j'avais fait qui s'appelait Le Printemps des Grands-Parents. Et euh, ensuite, elle a, elle a écrit et composé un livre qui s'appelait Le... « Le ras-le-bol des bébés à peur ». Vous imaginez un, un peu l'espèce le, le, de désastre psychologique dans lequel se débattait cette femme, qui était à la, à la remorque de tous les magazines féminins, euh, qui ne savait pas si elle allait devenir ce qu'elle est devenue après, c'est-à-dire une femme politique, euh, une, une chef d'entreprise, euh, une gratte-papier au ministère. Bon, elle est devenue, au fond, tout à la fois. Mais, je veux dire, au fond, la France aussi est devenue tout à la fois dans ces époques-là. On pouvait être à la fois euh, euh, vêtu d'un jean... Aller en euh, vêtu d'une un veste de jean, je veux dire, et être chroniqueur, euh, et être euh, chef des idées au Figaro. Ça s'est vu, ça, moi je l'ai vu. Le type avait, euh, je ne dis même pas son nom parce qu'il fait des procès à tout le monde, mais le type, il, il, était, il dirigeait les, les idées du Figaro, il avait 15 ans de moins que moi, et il était en veste de jean toute, toute la journée. Euh, et, et, et il était en même temps chroniqueur à l'événement du jeudi. Vous voyez ce que je veux dire Il mmh. y avait un mélange des genres invraisemblables où vous pouviez être à la fois comme François-Olivier Gisbert, un ancien du Nouvel Obs et le directeur du Figaro. Oui, ça, je m'en rappelle. Ça, et, mais cette, 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 ce brassage permanent, mmh. c'est le libéralisme. Mmh. Pour le libéralisme que nous voyons euh, en flamboyer avec Macron, rien n'a d'importance. Les idées politiques, ça n'existe plus. Plus, plus personne n'a de camp, nous sommes tous du même camp. Le camp de ceux qui font de l'argent, euh, qui font qui voilà, qui voilà, font des start-up, qui n'ont pas vraiment de morale. Euh, S'il faut vendre un aéroport de Toulouse aux Chinois, on le vend 15 jours, après avoir dit le contraire d'ailleurs, parce qu'au fond, aussi, le libéralisme vous dit qu'il va faire quelque chose et il fait toujours l'inverse. Ça, c'est vraiment. Alors, donc, toute cette époque est une époque d'inconséquence, de, de, un, un terme classique, d'inconséquence. On est. On n'est pas sûr de devoir affronter les conséquences de ces actes. On ne sait pas très bien pourquoi on agit. On agit souvent par mode. Euh, la, la France de l'époque est une France qui, qui, se, dont, qui se fabrique ses modes en permanence. Mmh. Par exemple, l'émission euh, Lunettes Noires et je ne sais quoi de Hardisson mmh. à 22h30, qui a duré je ne sais combien de temps, et euh, où on voyait ce type coudre la mode du moment, la mode de la semaine pratiquement, et les gens s'y conformaient en temps réel. Il y avait donc ce côté. Euh, à, on peut pas, on peut appeler ça une efflorescence. C'est-à-dire c'est le contraire des racines. Oui. Il n'y a qu'une fleur, mais pas de racines. Alors si vous permettez, ah. oui, je, je reprends le, le, le fond de, initial mmh. de ma question. Mmh. Donc euh, concernant justement des, des, des profils comme euh, Hollande, oui. comme Ségolène, euh, comme Sarkozy, vous montrez qu'il y a quand même une constante, hein. c'est-à-dire bon, Roger Dupère. Hein. Alors Alors effectivement, voilà. ce sont des gens qui sont des électrons libres. Qui, des électrons qui se sont libérés. Dans le cas de Hollande, son père, Gustave Hollande, était un homme qui rigolait pas tout, tous les jours, qui s'est présenté pour le compte de tic vignancourt à la députation, ah oui. euh, et dont nous, nous avons lieu de penser qu'il a gueulé à table. Donc, euh, Hollande, euh, jeune, on l'imagine très bien, cessant avec, avec ses, deux, ses débuts de rouflaquette, se dit, je vais faire de bonnes études, comme ça je pourrais dire merde à mon père. C'est exactement ce qui s'est produit. Euh, donc, à partir de, de 20, 20 ans, il ne devait plus rien à personne. et Ségolène Royal, pareil, son père euh, lieutenant colonel d'extrême droite, en tout cas, euh, on le dit. Je ne sais pas si c'est, en tout cas avec, des, des, avec je crois qu'elle avait trois frères qui étaient eux-mêmes pas vraiment de gauche, et donc elle a considéré qu'elle était, euh, 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 comment dire, écrasée par les, par ces figures masculines. Elle a pris fête et cause pour sa mère lors du divorce, car il y a eu divorce, et elle a essayé de faire payer à la France entière les déboires qu'elle avait eus comme jeune fille mmh. euh, euh, dans, dans son foyer vous prenez le cas de martine aubry c'est pareil le cas de manuel valls c'est absolument pareil euh, le cas de. Alors, c'est souvent dans le cas de Manuel Valls et Sarkozy, bizarrement, il y a une espèce de parallèle. C'est que c'est des femmes fortes et qui ont de l'argent avec un père euh, un peu ludion, un peu absent. Mais le père est toujours absent. On, a, on est toujours dans, cette, dans, dans ce ouais. schéma euh, de gens qui, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas. Alors, le cas de Macron est. Euh, qui ne peuvent pas exercer le pouvoir parce qu'ils ont rompu les relations avec leur père trop tôt pour pouvoir digérer, au fond, la rivalité avec le père est une chose naturelle. Mais quand on ne l'a pas euh, vécu. Euh, euh, surmonté, digéré, quand on n'a pas fêté ses 35 ans ou ses 40 ans avec son père, on n'a pas fait la paix. Oui. Avec soi-même non plus. Or, Macron n'a pas fêté ses 40 ans avec son père alors qu'il était président de la République et qu'il invitait tout le monde à Chambord. Donc, euh, on est là dans un cas de figure très, très inquiétant. Non seulement il n'a pas fêté le, le, son anniversaire avec son père, mais en plus, il a épousé le double de sa mère, <laughs> ce qui, sur le plan, euh, plan euh, psychanalytique, est quand même assez limpide. Donc, euh, tout ça est très cohérent avec la France de Mitterrand. Je me permets de vous rappeler que Mitterrand, personne ne l'a appelé papa ou, ou grand-père, etc. On l'appelait tonton. Pourquoi Parce que le tonton dans une famille, c'est celui qui altère, qui, a, qui atténue l'autorité naturelle du père. Donc le tonton pour un, un socialiste de l'époque, vu la différence d'âge, c'était acceptable parce qu'il avait un, un rôle tutélaire, mais un rôle tutélaire copain-copain. Mitterrand, c'est celui qui était en bras de chemise ou bras-dessus-bras-dessous avec, avec, avec Jacques Lang, qui lui avait les cheveux dans le cou. Donc euh, voilà. Donc il y a vraiment une espèce de, 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 de bronzise. C'est la France des bronzés. cest à c est, c est, cette France qui, qui, qui est sans conséquences, sans passé déjà, sans avenir, euh, qui jouit de l'instant. Euh, qui pratique beaucoup la fumette, y compris dans les films. Euh, voilà. C est, c est, c est... Alors en plus, c'est une France qui change de lunettes sur le réel en permanence. C'est la France des modes. Je me permets de vous rappeler que pendant toutes ces années-là, toutes les chanteuses, etc., disaient euh, « c'est ma période beatnik, c'est ma période... ». Tout le monde avait une période. « Ma période bouddhiste zen euh, ». Donc en gros... — Un peu le supermarché, voilà. — la, la philosophie des de convictions était là encore ouais. des choses qu'on pouvait pratiquer pendant deux ans y compris une certaine sex sexualité différente, c'était comme on faisait son marché quoi, on essayait tout. Euh, donc donc là, on est dans l'absence absolue de racine puisque rien n'a une origine, rien n'a tout est essayable. Alors, justement, Rémi, vous, vous avez passé donc une enfance en province, mais vous êtes allé à Toulouse, je crois, ou Bordeaux, Bordeaux et Toulouse, Toulouse je crois. Est-ce votre... est que vous avez été, vous, ici, amené à, à fréquenter bon un type de faune, bon, on peut vous rappeler, de la bourgeoisie de gauche ou les filles de, not de notables qui peuvent trahir aussi ce type de profil euh, humain et en ce qui me concerne, c'est assez différent. C'est-à-dire que, euh, à la différence de Christian Combaz, pour des raisons euh, tout simplement familiales euh, et, et sociales au sens large, non, je, je n'ai jamais fréquenté que le peuple, disons. C'est-à-dire que je suis moi-même issu d'un milieu populaire, hein, au sens noble du mot, au sens noble du mot. Je veux dire au, pas au sens de la nouvelle langue contemporaine où on sait très bien ce que désigne les milieux populaires, voire les quartiers populaires. Donc, je suis issu d'un milieu populaire, donc du peuple français, et en l'occurrence du peuple occitan aussi, euh, au Rouerga, et donc euh, je n'ai pas été amené à fréquenter euh, des milieux euh, différents véritablement euh, de mon milieu d'origine. Je l'ai été un peu, mais à la marge, lorsque je suis parti étudier à Toulouse, oui. en, en classe préparatoire aux grandes écoles, où j'ai été confronté à ce moment-là à des représentants d'une certaine bourgeoisie, mais qui reste une bourgeoisie provinciale. Donc j'ai pu mesurer un certain nombre de, de distances qui pouvaient se créer, qui pouvaient avoir, avoir lieu. Mais je suis resté dans un milieu qui, est, qui, est, qui, qui, qui demeure socialement... Homogène. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, la vie a, 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 a suivi son cours, bien entendu. Donc il m'est arrivé de fréquenter et de fréquenter toujours aujourd'hui différents milieux pour différentes raisons. Et donc j'ai aussi été, mais bien plus tard que, que, que Christian Combaz, et dans des conditions différentes, mais j'ai été confronté, bien sûr, au, au, au milieu que l'on pourrait dire. Euh, le milieu bourgeois, et en particulier aujourd'hui, le fameux milieu bourgeois bohème, euh, mmh. qu'il qu m'arrive de, 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 de côtoyer. Mais j'ai toujours veillé à, à préserver un certain nombre de murailles intérieures, au moins entre ce milieu-là et le milieu du peuple et le milieu du peuple français j'entends chaque fois que je parle du peuple je parle du peuple français et je parle singulièrement du peuple des provinces de France donc je n'ai pas du tout la même expérience le même le même j'ai presque envie de le dire entre avec des guillemets bien sûr mais le même cursus social j'ai été d'emblée engagé dans un travail universitaire enfin ma filière au départ a été plutôt académique et pas d'emblée littéraire et journalistique comme l'a été celle de, de Christian Combas elle est devenue après mais donc les, 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 les itinéraires ne sont pas exactement comparables ou superposables cela dit j'adhère évidemment tout à fait à, à ce qu'a dit Christian Combas enfin, son analyse et son, son sa courbe de vie et tel qu'il l'expose d'ailleurs dans Portrait de Marianne, me sont en un sens tout à fait familières. Et ses jugements, ses analyses, en particulier autour de cette question pivot, qui est la question paternelle, évidemment, me, me, me paraissent tout à fait justifiées et tout à fait fondées. Et d'ailleurs, Christian Combaz a, a commencé son, son entretien, en, 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 son intervention, en, en évoquant la question de la traduction. Et ça me paraît extrêmement riche, parce que euh, <laughs> la, la, la traduction, on dit souvent traduction-trahison. Mmh. J'ai le plus grand respect pour l'idée de, de traduction. Et. et, et... Et la question de la traduction, enfin, savoir... Enfin est-ce que le, le texte, et en particulier le poème, est-il traductible Est-ce qu'on ouais. peut traduire véritablement Je ne sais pas, c'est une question compliquée. Mais en, en non, tout mais cas, on peut trahir. C'est une grande question, des effectivement. C'est une question essentielle, fondamentale. Ouais. Mais en tout cas, on, on peut trahir. Et écoutant Christian, je me disais effectivement que l'on préfère la copie à l'original, en un sens, Alors, ça Lors, même lorsque... lorsque voilà, c'est même bien ça, même mais... pire que ça, parce que sur le plan moral, les livres voilà. que je traduisais étaient souvent des, 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 oui. des choses policières dégoûtantes. C'est ce que je veux dire. Que... Ce que je veux en venir là, c'est-à-dire ce que ce n'est pas simplement la question formelle de la traduction... Mais la question des univers, en ah effet, oui, oui. et de ce qui était en jeu. Et l'idée de dire, en effet, euh, tu, 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 vous rappelez qu'il y avait, en effet, euh, par exemple, euh, tel ou tel de vos romans euh, en même temps en librairie, mais que l'attention la médiatique était plutôt appelée sur la traduction d'autres livres du traduit 2 de, de l'américain, avec un contexte évidemment très, très différent. Oui. Mais cette secondarité, le fait que le, le, ce qui est second et ce qui est de plus en plus préfabriqué, ce qui est de plus en plus trafiqué, cruel euh, aussi du point de vue oui. du, du, du fond, hein, si on en reste oui. à, la, à la question du fond, c'est ce qui en vient à primer, c'est ce qui en vient à dominer, et, et le reste, ce qui est précisément l'original, c'est-à-dire le, le racinal, si j'ose mmh. dire, puisque le livre sur Racination, en l'occurrence, on peut filer la métaphore, on peut la décliner de différentes manières, que ce racinal-là devienne, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la profondeur, c'est exact, exactement la même, mmh. bon. et que, que cela devienne secondaire, voire tertiaire, quaternaire, <coughs> et, et, on peut, et, et on peut filer encore plus en allant encore plus loin, c'est en effet un une, 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 un des grands traits de l'ignoble parodie moderne. Tout à fait. Mmh. Donc les itinéraires sont différents, mais les constats sont les mêmes au final, bien entendu, à partir de prémices différentes. Il y a quelque chose, quand même, qui résume un peu tout ça, c'est la Welbékisation de la littérature. Je n'ai pas de, comment dire, de dégoût pour, pour le, le personnage littéraire, qui, dont, dont une partie du succès s'explique très bien. En revanche, j'ai beaucoup de dégoût pour les bases qu'il a utilisées pour, pour se hisser sur la plus haute marche. Ce sont des bases très Gainsbourgiennes. Mmh. Il pratique oui, en fait la littérature à la Gainsbourg. C'est une littérature de, du dédain de soi-même, la déchéance du mal blanc quoi, occidental. Absolument, quoi, voilà, absolument. Et puis tout, on mélange tout. Euh, on n'est pas soigné de sa personne, ni, ni de, de sa personne, ni son expression d'ailleurs, ni même il n'a même pas eu la, la, la politesse pour le lecteur d'épargner euh, à la postérité le, le, le commentaire sur la cravate de Jean-Pierre Pernaud. En fait, Welbeck est, euh, est un tel nihiliste gainsbourgien qui n'hésite pas à mettre dans un roman qui peut avoir des qualités, des considérations qui sont vraiment à peine dignes d'un article de Libé. Vous voyez ce que je veux dire Alors, on, En fait, donc, il tue son roman, en quelque sorte, aux yeux de la postérité, en faisant allusion à des choses tellement banales qu'elles seront oubliées dans cinq ans c'est vrai, vrai, que vous n'êtes pas tort. C'est ça dire. Moi, je me rappelle quand j'ai lu son premier ouvrage, euh, enfin le premier ouvrage que j'ai lu de lui, il est particulièrement Il y avait après extension. C'était l'un des meilleurs. C'est des meilleurs, hein. ouais, c'est ouais, ouais. clair. Après les autres, je viens de plus tomber. Mmh. Soumission, je l'ai toujours pas lu. Ouais. Mais effectivement, il y a ça. Et même, je rappelle à l'époque, il y avait pas mal de débats qui agitaient notre mouvement, et on se demandait, bon, mais est-ce que c'est uniquement des écrits sur la décadence, donc euh, du mal occidental, euh, mmh. du, de, bah, oui, d'une certaine humanité en quelque sorte, ou est-ce que c'est aussi un roman décadent sur la décadence mais je pense que oui, c'est les dire, deux, effectivement. Voilà. Et moi, j'avoue que je me suis souvent posé la question. Session, bah, malgré, bon, après, bien sûr, de, de quelques qualités littéraires. Bon, je vous signale que c'est le titre de chanson de Gainsbourg, ouais. la décadence, <laughs> tout à fait. Mais non, oui, mais ça peut être c est, c est, en fait. Gainsbourg vraiment, en, en, est vraiment musicalement la métaphore de Welbeck en voilà. littérature et c'est. Si je vais faire une petite confidence donc, à, à nos auditeurs, je pourrais évoquer, mais de manière euh, assez, assez fugitive, donc une rencontre que nous avions faite le lieu lieutenant moi, avec Michel Houellebecq dans euh, voilà, une station bannière assez connue de la communauté arnaïenne. Oui. Ah ben bah c'est bon, Agde bon, Voilà, tout oui. bon, à voilà, fait. Pour vous oui, citer oui. le Cap, soyons plus le précis. Cap. Voilà, le euh, Cap, une péninsule, voilà, vous voulez <laughs> dire ouais, tout à fait. Voilà, et alors là, bon, on n'est pas vraiment surpris. <laughs> Et de se dire surtout que <laughs> bon, ben, le, le père Welbeck, lorsqu'il décrit notamment le, le fameux quartier naturel du Cadabre, ouais, ben, on ouais. voit que c'était une oui, euh, enquête du <laughs> terrain. Donc voilà, donc euh, on peut revenir un peu là-dessus. Alors si vous permettez, Christian, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur aussi ce qui forme euh, bon, une bonne partie quand même de, euh, des chapitres de votre ouvrage, c'est-à-dire bon, euh, ces choses vues, en vécues, entendues concernant dans, dans votre bon votre itinéraire euh, euh, ouais. journalistique. Et il y a aussi autre expérience qui est intéressante de l'institut français de Londres. Je, 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 je vous fais, là, fais là, des assez... plusieurs euh, comment dire un, un pot pourri avec des oppositions comme ça. Vous verrez bien un peu le, le, le chaos à la que, que, que j'ai traversé. Alors je, me, je suis un écrivain très fêté pour son classicisme, euh, très considéré comme très académique. Et en même temps, on m'envoie, le Figaro m'envoie euh, euh, comme reporter dans le studio où Coluche euh, européen annonce euh, sa candidature à la présidence. Donc là, si vous voulez, il y a une sorte de télescopage. Je suis à la fois un créateur reconnu pour la qualité de ce qu'il fait et une espèce de porte-micro qui interroge Coluche. J'interroge aussi euh, Jean-Louis Barrot, euh, Léon Zitron, enfin des gens comme ça. Donc je me dis, il y a une espèce de machine à à, à, à décerveler ceux qui essayent d'avoir justement des racines, les racines intellectuelles d'une un, carrière littéraire, ça existait à l'époque. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un monde où, où le shaker est secoué en permanence et où les éléments sont, sont en permanence mélangés et où donc vous n'arrivez plus à, à retrouver vos molécules propres. Donc ça, ça supposait un certain nombre de ruptures que j'ai euh, infligées à mes éditeurs tous les dix ans à peu près pour essayer de me retrouver moi-même. Le Figaro, c'est pareil. Quand vous voyagez pour le compte du Figaro pendant dix ans, tout, tous les 15 jours, c'est deux jours à Jakarta, ensuite quatre jours à Los Angeles. C'est une époque de dinguerie absolue où, où vous partiez euh, sur AOL, qui était une, une compagnie chérie de Mitterrand, pour aller à Cuba pour l'ouverture de la ligne de la Havane. Et il y avait dans l'avion une fille de gauche qui lisait le livre de Evelyne Pisier, femme d'un ministre socialiste, et qui s'était tapé euh, Fidel Castro pendant quatre ans et qui le racontait dans un livre publié chez Stock. Vous voyez ce que je veux dire Donc on était la fine fleur du socialisme français dans un avion en classe affaire allé chez, euh, chez Castro. La fille lisait les aventures sexuelles de Castro avec une copine parisienne. On était dans le mélange. Le, le mélange général, quoi, euh, c'est à la fois l'argent, le socialisme, la cruauté. Parce que n'oublions pas que Castro qu fut un très grand cruel, euh, ce qui est très peu dit. Euh, son Che Guevara a quand même tué des, des, des opposants de sa propre main dans les prisons. Bon, euh, et, et de voir que la, la, fi, la fine fleur du métérandisme se mélangeait à ces gens-là euh, était un peu inquiétant. Alors, vous rajoutez à ça une, une journaliste de TF1 qui vous dit sur la plage je, je crois que je vais rentrer parce qu'il n'y a pas il y a rien à se mettre sous la dent, du point de vue des boat people. On était sur la plage du, du Malécone. On était sur la plage du Malécone. On attendait les bots de people sur leur, leur radeau pneumatique. Il n'y en avait pas. La fille était déçue. <laughs> oui, voilà. Donc, ça, c'est la France de l'époque. Ouais, — bah, Partout. Alors je pars en Indonésie. Euh, on va au fin fond avec une pirogue. D une, d une, on, on trouve une case. Et on voit l'arrivée la, de Chirac aux Champs-Élysées, puisqu'il venait de gagner en 95. Donc j'ai assisté à la remontée des Champs-Élysées par Chirac en voiture avec tout, tout, toutes les motos d'Europe 1 du, du fin fond d'une case en Indonésie avec l'antenne la, avec satellite. Euh, bon. euh, voilà, ça c'est ce, ce mélange des genres est propre à notre époque. Même du temps des Ming-Wei, il n'y avait pas cette, euh, ce shaker permanent, cette, cette insignifiance. Euh, alors vous ajoutez à ça le fait que les filles qui étaient dans le 12e, complètement amies de leur petit épicier arabe et complètement tiers-mondistes, euh, voulaient être surclassées sur Air France. Vous voyez, c'est ce genre de paradoxe auquel vous assistez en permanence. Vous vous retrouvez dans au fin fond de la Chine euh, avec une photographe allemande et une idiote qui, qui écrit pour le monde. Euh, la photographe allemande est censée faire euh, la publicité d'un parfum Hermès, lequel se renverse dans la voiture. On n'avait plus rien pour mettre dans le, dans le parfum Hermès pour sur fond d'une de désert de gobi. Qu'est-ce qui s'est passé On a essayé de mettre du thé. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai pissé dans la bouteille. Voilà. Et donc, quand j'ai vu les, les publicités Hermès pendant plusieurs années, après, ça m'a fait, fait rire, parce qu'il y avait effectivement les dunes du désert de Gobi. <laughs> Mais je savais ce qu'il y avait dans le flacon. D'ailleurs, c'est tout à fait métaphorique. <laughs> voilà. Non, mais c'est vrai que les portraits quand vous tracez, c'est... Écoutez, il y, y a aussi ces portraits de, du, du semi-privé, alors ça, je ne m'y intéresse pas trop, parce que je ne veux pas donner l'impression de faire du people et du voici, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes un jeune auteur très fêté, et j'ai été un jeune auteur très fêté, pas pour des raisons toutes très claires, d'ailleurs, hein, parce mmh. qu'il y avait aussi une ambiguïté de, de nature euh, sentimentale qui faisait que j'étais euh, très euh, invité par des gens comme euh, disons la fratrie Pierre Berger tous ces gens-là, avaient leur table à Paris et euh, j'étais... Ils pas... avaient leur table à Paris, leur Ria de Marrakech. Euh, oui, mais ça, <laughs> moi, jamais j'ai jamais sauté la Méditerranée. En ouais. revanche, à l'époque, à, à table on croisait Alexandre Jardin, qui était nettement plus jeune que moi, mais pas si nettement que ça, hein, 10 ans seulement. Mais Alexandre Jardin était un chéri de ces dames déjà, il, mais il avait 18 ans. Donc euh, vous aviez des tablés où il y avait euh, Yves Saint-Laurent, un peu chargé à l'époque déjà, euh, et puis plein de gens. Georges Samprin, euh, vous aviez euh, Yves Montand qui habitait juste au-dessus, euh, place Dauphine, et qui jouait au poker jusqu'à 3 ou 4 briques par nuit, alors qu'il vous donnait des, des leçons d'amour des pauvres. Euh, voilà, c'était une époque de, de, de. Vous aviez Monique Lang aussi qui était, qui était l'égérie de ces nuits-là. Euh, La fille de Jack non, sa femme. Sa femme oh. <laughs> Sa femme, hélas. Ah, est <laughs> <légérieux> aussi. Euh. <laughs> qui était vraiment une harpie effrayante et qui contrôlait l'image de son mari en permanence, qui contrôle toujours d'ailleurs, mais un peu moins. Euh, et donc voilà, y a, y a, c'était une époque de, de folie, mais, mais, pas, mais pas de folie au sens des années folles. Oui, c'était pas vois, une fête vraiment très amusante. Hein. Il y avait quand même un côté sinistre. Mais le côté sinistre, je vous le rappelle, c'est le pasteur Doucet qui se fait flinguer en forêt de Fontainebleau après avoir reçu la visite des RG. Et Edernalier qui accuse publiquement euh, euh, Pierre Berger d'avoir fait tuer le pasteur Doucet en première page de son journal L'Idiot International. Et Jean-Édard n'a jamais été euh, ni condamné, ni surtout euh, envoyé en, en procès pour, mmh. cette, euh, pour cette accusation publique d'assassinat. Mmh et donc la France de l'époque était telle qu'elle peut passer, elle peut regarder ailleurs quand on accuse publiquement un type comme Pierre Berger d'assassinat sur, sur la personne d'un d'un pasteur qui certes apparemment voulait faire chanter son monde mais en tout cas euh, voilà, ça aurait pu être une grande affaire criminelle de l'époque, et la France de l'époque était tellement faisandée que c'est le silence qui s'est imposé. Mais c'est vrai que bon, c'est une époque qui a été marquée par pas mal d'affaires. Bon, on passe l'époque de la Giscardie gros sourd, Là aussi, euh, voilà. mais, gros mais surtout c'est sur la Mitterrandie, euh, ça n'a bon, pas été triste, aussi boulin, sais, voilà. bon, tout ouais. ça, tout ça est un peu est un peu ah. louche. Mais donc on comprend, il y a aussi beaucoup d'argent. Il y a une chose quand même qui a perverti terriblement par rapport à l'époque où j'avais 10 ans il euh, y, a, y a eu un, un débarquement du mauvais argent, de l'argent immatériel, en quelque sorte. Le, on pouvait se faire... Regardez, regardez le cas de François Sagan, qui se faisait 2 millions de francs à l'époque sur une, un simple coup de fil à Mitterrand pour des histoires de vente d'armes. Euh, C'est quand même cette femme qui est une grande libertaire, euh, qui nous a bassinés avec, avec ses histoires d'amour hétérosexuel pendant toute, euh, pendant toute sa, sa, ben, sa, sa vie littéraire qui n'était pas vraiment de ce côté-là, qui était soi-disant grande grand libertaire et ami des pauvres, qui en fait euh, prenait un fric monstrueux dans des opérations de ce genre. Il y a tout de même une, 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 un mensonge moral permanent. Mmh. Permanent. Mais on le retrouve chez dans la Macronie de manière euh, absolument euh, euh, comment dire vitrifiée. Mmh. Euh, euh, le, le discours moral d'Emmanuel de, Macron hier euh, à propos de la France qui souffre, ahurissant, ahurissant. C'est un, un type qui a, euh, a bâcheté son truc un quart d'heure avant de prendre l'antenne. On lui dit Oui, il y a des femmes qui élèvent seules deux enfants avec 800 euros. Euh, ah bon Voilà. Mais tout ça est perceptible. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est euh, au fond, la geste de, ce, de ces choses-là n'est pas, pas écrite. Elle devrait l'être. Alors, euh, des gens comme on euh, Onfray, quand même, on, on conquis une certaine audience et ah comment, oui, ils oui, commencent à il balancer oui, oui, <laughs> Ah oui, ah oui, il oui, ah, c'est <laughs> vrai que ces derniers temps, ça y va, hein, c'est oui, la trille lourde. Sauf hein, que, honnêtement, je ne le trouve pas d'une élégance euh, suffisante. Mmh. C'est vrai que son pamphlet, euh, sa métaphore filée, là, était plus que lourde. Et donc, voilà, ça, ça dessert un peu son propos. Cela dit, il, est, il fait preuve de beaucoup de courage. Oui, c'est vrai. Euh, il, est vraiment, il, il a une audience considérable, en effet. Voilà, il, a, ouais. il a publié, évidemment, de nombreux livres. Et le, la manière dont il use de son aura et de son, est euh, de vrai. son talent est vrai, me il paraît peut... extrêmement voilà. courageuse. Il aurait pu être acheté alors, très facilement. Alors, non, elle, il a toujours refusé. Elle est, elle est, elle est courageuse en ce sens qu'il a beaucoup d'ennuis, il a beaucoup de commentaires à faire pour se justifier, etc. Mais elle n'est pas si courageuse que ça sur le plan matériel, puisqu'il vend très très bien ses livres, il est quand même à l'abri du besoin. Il y a quand même une des choses qui, principales... De, 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 comment dire, de, de, de timidité chez l'auteur qui veut dire la vérité, c'est que s'il est attaqué par une association pendant 8 mois et qu'il doit dépenser 80 000, euh, 8 000 euros de, de, de frais de justice et qu'il les a pas, bien évidemment, il est très inquiet, la, la prochaine fois, il fait attention. Tandis que qu'Onfray ou Zemmour, des gens comme ça, sont évidemment euh, épargnés par, ce, par cette crainte parce que bon ils ont largement les moyens de se payer un bon avocat. Euh, et donc voilà, il y, y a encore aussi dans, de, la liberté de penser, très très menacée aujourd'hui par, euh, par euh, les associations qui se, qui se substituent de manière absolument dramatique aux au procureur du roi autrefois. Dire, autrefois, quand, quand Flaubert était inquiété, il l'était par une personne. Mmh. Aujourd'hui, oui, c'est te... par un ensemble de personnes. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est en pleine... Euh, durant cette période des mmh. années 80, cette donc triomphante, comment, euh, ce sont des phénomènes comme SOS Racisme, hein, qui, oui. a, qui a aliéné des, des millions de, de, de jeunes Français. Hein. Moi, j'en suis, je, je non, suis un témoin, c est c est c est manière... Hein, j ai, j ai vu ça, ça, ça va de, tellement loin de que de vous ne pouvez plus dire un tel un, un comportement autiste. Vous avez l'association ouais. des parents d'autistes sur le dos. Oui, voilà. En disant, monsieur, révisez vos trucs, un autiste, c'est pas ça, etc. Mais madame c'est un, une image et j'emploie le vocabulaire que je veux. Donc, ils vont criminaliser maintenant le mauvais emploi d'un terme médical. qu'on a rêvé. Il, il est vrai que le contrôle s'accroît de plus en plus et le puritanisme qui va avec. C'est-à-dire que le langage doit être surveillé en permanence, des phénomènes d'autocensure euh, voient le jour de manière presque naturelle, précisément, mmh. si on ne veut pas avoir au dos un certain nombre de ligues de vertu. Et donc, ce, cette société du, co du contrôle et de la surveillance est de plus en plus euh, prégnante. Enfin, on la voit sur tous les plans, à, à tous les niveaux. Et il est curieux, enfin, ce n'est pas curieux, mais c'est tout à fait cohérent, que que ça aille de pair avec un discours d'exaltation de la liberté au sens majuscule du terme, etc. Alors que les libertés réelles et concrètes sont reflux chaque jour un peu plus. C'est la peau de chagrin. Et quand on voit bon des sinistres histrions comme Cohn-Bendit ou Goupil aujourd'hui jouer aux flics, au père perfuiteurs. Ils me disent comment rétablir l'ordre dans la rue, mais on est tombé sur la tête. Autrefois, ce débat de balle qui avait lieu sur sur TV, là, sur télé donc bon. Goupil, mais vraiment. D'ailleurs, entre parenthèses, Goupil, vous Goupil m'a bon, euh, traité d'homophobe chez Ardisson. <laughs> non mais je veux mais dire, mais oui. Bon, d'ailleurs, à quel titre on a ce, ce gars-là qui présente sur les... Bon, il a il a signé. Alors mais il ça... a réalisé un film. Non non, euh, non mais ce tout soir tout là, ce soir <laughs> là, il a <laughs> été invité ouais. par Ardisson expressément pour me dégommer. Ouais, il n'y avait pas le moindre film ouais, qui sortait. Ouais. Il était là pour m'opposer me, pour me, pour quelque oui, chose. Oui, je sais bien, mais l'autre soir, c'est plus Jada, c'est pareil. Bon, moi, ouais, je, je fais allusion ouais. au film ouais. « Mort à 30 ans hein, », ouais, sur oui, la ça. mort de sur ouais. le seul truc qui a fait à peu près de potable, il y a encore, bon, on ouais. va en parler. Mais c'est vrai qu'on voit ce, ce, ce genre de, de flic de la pensée, hein, de, de garde-chiourme, en fin de compte, euh, qui, se souvi... euh, qui a bien oublié l'époque où, en bon petit bourgeois, par exemple, bon, il lançait aussi du pavé sur euh, les CRS et les ISS, sur la formule concret de l'époque. Ouais. On voit que ces gens-là ont complètement viré leur cutie. Aujourd'hui, c'est les, les gardiens du nouvel ordre Puritain hein, et moral, hein, qui ne dit pas en son nom. En plus, ordre, ils ont tous les... la même teinture L'Oréal. <laughs> c'est ahurissant. Il a, il a de la couleur de cheveux de, de François Hollande. Je pense qu'ils doivent avoir le même coiffeur. Euh, non, mais c'est vrai, il y a quand même. Là encore, il y a euh, jacques Julliard, des gens comme ça. Il y a des gens qui ont passé l'âge d'avoir les cheveux noirs. Et le fait qu'il manque de jugement assez pour ne pas s'apercevoir qu'ils sont grotesques dans la glace, c'est déjà un. C'est déjà un, un lourd handicap dans, dans leur pensée. Je veux dire, quand on N'est pas capable de s'apercevoir que la teinture ne va pas. C'est que euh, quand on publie un livre, on n'est pas capable de s'apercevoir qu'il contient des chapitres qui ne devraient pas y être. Il euh, y, y a vraiment, bon, je sais pas. Si on manque de jugement dans un, dans un domaine, on en manque forcément dans l'autre, non Ah, mais je, <laughs> je, je crois oui. C'est le règne de la contrefaçon et de la parodie <laughs> voilà. et, et d'une certaine forme de clownerie d'ailleurs dont ils ne s'aperçoivent pas. Ben, C'est et, effrayant. Et, et, C'est effrayant. Mm. Et alors, son jouant, Alors, petit euh, hommage à Guy O'Kungham, l'auteur de la lettre ouverte à ceux qui sont passés du nom au qui est tout de même un livre oui, oui. qui est toujours d'une actualité parfaite. Je me souviens, moi, j'ai connu ce livre grâce à un art, un, le dernier article de Guillaume Feuille dans la revue Éléments, hein, qui était donc, daté de 1986, où justement bon, il en faisait un petit peu l'éloge. Ah, C'est un livre euh, remarquable. Mais il faut être mourant pour pouvoir dire des choses comme ça aujourd'hui. Mmh, mmh. C'est ça qui est scandaleux. Mmh. Euh, autrefois, vous démarriez une existence littéraire sur ce genre de pamphlet, et aujourd'hui, c'est la, la clôture. Alors, il ouais. y, y, y a vraiment euh, un chapitre qui est extrêmement intéressant parmi tant d'autres dans votre ouvrage, Christian, c'est votre expérience, j'en parlais très rapidement tout à l'heure, dans l'Institut français de ah, Milan. Oui. Donc bah, voilà, censé euh, euh, représenter donc, la France euh, telle que l'imagine, euh, même. Ça se résume. la rêve pas mal de. Trucs. Ça se résume. La raison pour laquelle je suis parti à l'étranger, c'est que je n'avais plus de quoi vivre. Ouais. Et pourquoi n'avais-je plus de quoi vivre Parce que j'étais devenu un dissident. C'est qu'à partir du moment où votre propre éditeur, juste après vous avoir acheté 10 de vos livres, pour vous dire, je fais une, re, une réédition chaque année, vous dit finalement, je vous abandonne. Deux, deux ans après, Fayard... C'est en quelle année, ça C'est en 2001, 2002, un truc comme ça. Non, non, plus, plus tard que ça. Hmm. 2012, de, non, non, si, 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 à peu près ça. 2004, un truc comme ça. Euh, Claude Durand, qui passait pour un génie <coughs> qu'il <coughs> n'était pas, euh, Claude Durand me dit je vous achète, donc il me rachète à Flammarion, et puis ensuite il me laisse tomber deux ans après en me disant ben, je, je cesse de vous salarier. Donc euh, je vous rends vos livres, c'est ahurissant. C'est comme d'adopter un enfant pour, le, pour lui dire ben, finalement tu, tu repars à l'orphelinat. Donc euh, euh, le, 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 le défaut de, vola, de valeur morale pour un éditeur de cette nature est tellement évident. Alors, je me retrouve sans aucun argent pour vivre en 2004. Et du coup, je demande à une amie qui travaillait au ministère, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans, dans ce domaine Et heureusement, il y avait. Heureusement, on me fait passer à toutes sortes de tests à la va-vite, que j'ai l'air d'être dans la course. Et je me retrouve euh, chef du service euh, de, de l'Institut culturel de Milan. Qui est une grosse entreprise avec 4 millions de budget et où on pensait probablement que j'allais faire comme beaucoup de ces pistonnets, au bout de deux mois je rendais mon tablier et on mettait quelqu'un d'autre. En fait, non, parce que j'avais un peu cette nature de chef d'entreprise et ça s'est très très bien passé. J'ai réduit le, le déficit en trois ans à zéro et le machin a bien fonctionné. Mais, mais malheureusement pour eux, j'ai observé et j'ai observé notamment ce qu'on m'imposait. Alors on m'a imposé des, vi des visites forcées d'auteurs comme Laurent Mauvignier, qui se prend pas pour... Euh, euh, ou bien... Bon, bref. J'ai essayé d'inviter des auteurs que j'aimais beaucoup aussi, donc comme euh, Benoît Dutertre des gens comme ça. Mais c'était toujours avec et une sorte Paul, de... — Paul-Paul Marie Couteau, je — citer... Marie Couteau, mais même, et, 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 même Camus. — Camus, et Camus même voilà. Camus, je vais venir. Camus, 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 voilà. Ça, ça fait de l'histoire, ça. — J'ai fait, fait un, un congrès Céline. Les Céliniens sont venus... Donc évidemment, à la fin, je passais pour le diable. — Non mais surtout, ouais. euh, là, vous décrivez très bien, bon, le, les programmes officiels, ce qui est le non-art. Ah, — euh, Incroyable. — Qu'on n'a pas dit non-art. Non, — euh, Les écrivains obligatoires. Jean Echnoz, qui, qui, ouais. qui passait d'institut de, de, culturel en institut culturel pendant toute l'année, au frais de la princesse, pour aller se faire passer pour un grand écrivain français... C'est un écrivain tout à fait honorable. Un compatriote, d'ailleurs. — Oui, un écrivain tout à fait honorable, mais, mais, oui, mais ouais, un <laughs> qui n'a aucun titre à prétendre devenir un officiel. Euh, voilà, bon, bref. Euh, et, et donc, euh, alors l'autre chose aussi, c'est que les gens nous réclamaient, c'est ce l'essentiel le, de ce que j'ai à dire sur ce système du, de la culture à l'étranger, c'est que les étrangers nous réclament une image de la culture française que nous ne voulons pas lui donner, mmh. leur donner. C'est-à-dire que... Euh, la plupart des gens de Milan voulaient une exposition sur Cocteau, voulaient des gens comme ça. Il y avait des étudiants qui venaient me montrer des lettres de Cocteau qu'ils collectionnaient en disant Est-ce qu'on pourrait faire un truc On vous prête nos lettres. Donc je me disais Mais c'est formidable. Mmh. Mais j'ai dû lutter contre l'ambassadeur qui, lui, voulait faire une exposition, bah, par exemple, sur le Houellebecq. Euh, et encore, c'est pas ce qu'il y a de pire. Mais euh, je veux dire, il aurait fait une exposition sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir 40 ans après. Mmh. Parce qu'on en est encore là. Dans, au pays d'Afrique, on va vendre du Simone de Beauvoir. Euh, donc, on est tombé sur la tête. Les gens nous réclament... Alors évidemment, là encore, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Euh, les gens nous réclament une certaine France et on, leur, on essaie de leur en vendre une autre. Par exemple, j'ai imposé, euh, euh, imposé euh, la môme de, 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 de l'histoire d'Edith Piaf. Au, au centre culturel français, en disant, voilà, bah c'est ça. Alors là, c'était honteux, c'était Hollywood, euh, sauf que ça, faisait, ça a fait euh, ça le compte trois soirs du suite. Et c'était une façon de vendre la France. J'ai imposé la première à Milan, ou en Italie, tout, euh, de Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. Euh, là encore, très belle opération, avec de Hermès derrière, etc. Donc c'était des, des, méthodes, des méthodes de promotion de la France qui n'étaient pas du tout, qui étaient hors. hors euh, Hors cadre quoi. Mmh. Euh, moi, on voulait que je fasse ce que, ce que la France de Jacques Lang avait décidé. Et non, notamment en art contemporain, ça c'est encore ce qu'il y a de pire. l'art contemporain, c'est quand un type a été adoué par le centre Pompidou, il circule dans le monde entier avec des œuvres qui coûtent trente mille euros en assurance. <laughs> et et, euh, et, et c'était effrayant. Et quand il rentre de son tour du monde, sa cote a bondi, le ministère en achète, les fracs locales en achètent. Il y a une espèce de martingale du, du, de la spéculation immobilière dans, dans notre système culturel français à l'étranger et le complice permanent. Et en plus, même les ministres s'en mettent dans, la, dans les poches. Hein. Jacques Lang a quand même beaucoup reçu de cadeaux de jeunes artistes dans sa jeunesse et dans leur jeunesse. À eux. Ouais, en tout cas, vous, vous décrivez bien euh, toutes les, les manières d'agir, les turpitudes, bon, les, le, la manière dont aussi, comme ils jouent beaucoup de, bah, de l'argent public, c'est-à-dire hein, ah, oui. l'argent bah, bon, hein, public ça. vous permet d'augmenter la cote d'un artiste voilà. qui vient de vous donner deux tableaux, par exemple. <laughs> c est, c est... Et ces deux tableaux, 20 ans après, ils valent des milliers et des cents alors qu'on vous les a, a donnés. <laughs> Quelques mots justement sur votre rencontre avec Renaud Camus. Hein, vous... euh, bah, vous... Allez, alors justement, c'est parce que euh, Rémi est là. C'est au fond Rémi, c'est tout à fait Rémi qui est à l'origine de ça, puisque Camus avait, comme d'habitude, les yeux plus gros que le ventre, et il voulait faire de l'Internet, alors qu'il ignorait totalement comment on mettait un texte sur Internet, un, 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 un hypertexte, c'est-à-dire un texte mmh. qui renvoie à des notes. Et, et donc, euh, à un moment, Rémi a dit, oh, mais je connais quelqu'un qui s'y connaît, et donc voilà, euh, on, on sait. Alors, on se connaissait un tout petit peu comme écrit. Puisqu'on s'était croisé euh, dans un jardin des modes où on essayait des nœuds papillons comme, <laughs> comme écrivain classique avec euh, Gonzague Saint-Brice, etc., parce qu'on a connu une période de, de jeunesse complètement folle où les écrivains, euh, Félicien Marceau en tête, euh, allaient faire du, 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 du mannequinat. Dans, dans un magazine féminin. <laughs> euh, donc on s'est retrouvé. Félicien Marceau, je vous dis, on est une poignée, euh, Donc Camus. C'est comme ça que je l'avais connu au départ, et puis donc je l'ai retrouvé dix euh, ans après. On a monté son premier site sur Internet. Euh, et, et donc voilà, ça n'a jamais cessé parce que euh, quand bien même on serait euh, tombé en France, ce qui n'a jamais été vraiment le cas, il avait de tels besoins de réajustement technique <laughs> que j'étais tout le temps fourré chez lui pour des raisons, après il a changé de machine, ses ordinateurs ne marchaient pas, il ne savait pas faire marcher son internet, enfin bon donc, euh, comme chez, lui, vous, chez lui vous faites lusion de son château voilà, <laughs> j'étais son, <laughs> son voisin, j'étais à deux heures de route donc euh, à chaque fois je venais, il, il, il a avait la gentillesse de m'héberger et donc finalement c'est une période assez amusante euh, qui était très antérieure à l'affaire Camus à tout ça mmh. alors ensuite l'affaire Camus a, a, a j'ai très très honnêtement et très spontanément apporté mon, mon concours à sa pétition de départ à la pétition qui le défendait et puis ensuite les choses se sont un peu théorisées au moment mais pas du tout par, par Comment dire par sécheresse de cœur au moment où de la théorisation du grand remplacement etc. J'étais moins présent sur le pont. Je l'ai retrouvé un peu récemment. Euh, je vois que d'ailleurs sa thèse est en train de, de, de s'institutionnaliser quoi plus ou moins. J'en parle d'ailleurs dans, dans le livre. Euh, je parle de grand remplacement des élites. Mmh. Moi c'est ce à quoi j'ai assisté le plus évidemment. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une France de papa qui. Moi j'ai connu des professeurs de médecine qui parlaient latin et grec. Hein. Et eh bien, cette France de papa est entièrement morte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah bah oui, un, on est un, un loin jeune loin. médecin, même ouais. après 12 ans de médecine, c'est euh, à peine parler le français. Euh, donc, euh, on, a, on a quand même changé d'époque. Non. De cette manière, tout à fait. Alors, euh, je rappelle aussi, je, que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, que vous animez une chronique régulière sur Télé Liberté oui, qui oui. s'appelle La France Campagnol, oui. donc qui va justement faire la transition euh, idéale hein, pour, euh, pour me tourner maintenant un peu plus euh, vers Rémi, hein, euh, qui a sorti, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, son dernier livre Racination. Mais bon, c'est aussi, je pense, l'aboutissement d'un processus, d'une réflexion euh, que vous menez depuis déjà un bon, bon moment. Hein, le, votre bibliographie euh, en témoigne. Hein. Aussi la, la mémoire d'un entretien que vous avez donné donc, euh, au dernier numéro du magazine Les Idées, la nouvelle formule d'éléments, dans son numéro, je crois, sur le paganisme. Oui. Où vous évoquez justement euh, votre, votre évolution spirituelle oui. et philosophique par rapport à cette, euh, à, cette, euh, à cette problématique qui nous est chère, en tout cas, de cette manière problématique. Excusez-moi le mot. Euh, je, je suis un petit peu influencé euh, négativement par les éléments de langage du système. Bon, bah, ce thème, ce sujet, hein, c est, c est, cet impératif qui nous est cher, euh, Rémi. Pouvez-vous revenir euh, justement sur cette. Euh, ce parcours. Personnel qui va justement illustrer euh, directement le, le livre que vous, que vous avez écrit. Oui, alors c'est euh, un, un parcours en effet à la fois, disons, intellectuel ou philosophique et euh, parallèlement en un sens politique ou métapolitique, c'est un mot que vous aimez avec raison, euh, euh, et donc euh, qui part en effet d'un enseignement de type traditionnel au sens large du mot et qui se diversifie ensuite à travers euh, différentes traditions euh, euh, spirituelles ou, ou, ou philosophiques, donc avec un ancrage. Euh, culturel, éducatif dans le, le catholicisme romain, qui est, comme disait Peggy, la religion peuple, enfin ou en tout cas qui a été la religion du peuple français, au moins dans les dernières, euh, dans le dernier siècle. Euh, même si ce n'est pas nécessairement la religion originelle de, de, des peuples d'Europe. Ouais, comme le dit très, très bien Vénère, j'aime beaucoup cette formule, hein, le, le christianisme n'est pas donc, à l'origine de oui. notre tradition, mais il s'y est greffé, il en fait partie de cette manière. Il, il s'y est greffé, et... et effectivement, surtout le catholicisme romain, voilà, en tant qu'il est qu romain. Ouais. Et effectivement, la romanité du christianisme a fait qu'il euh, y a un monde, un univers, entre le, 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 le versant du, de l'évangile, disons, originel tel qu'il pouvait être compris dans son milieu d'origine, et puis la construction purement typiquement romaine qu'a opérée euh, l'Église catholique euh, au, au, long, au long des siècles, bien sûr. Donc il y a cet ancrage là, et puis il y a aussi, par extension, évidemment, cette acceptation totale de l'héritage européen dans son versant donc romain. Oui, c'est vrai, romain, c'est-à-dire à, à la fois, euh, puisque c'est originel pour moi, euh, catholique, et puis euh, romain au sens des Césars, au sens de la Rome des Césars. Donc, donc au sens de la Grèce, évidemment en arrière-plan, mais aussi au-delà, au sens nordique, au sens slave, enfin, et au sens indo-européen, euh, qui est peut-être la formule la plus globale, qui permet de ressaisir euh, ces héritages-là. Et c'est aujourd'hui, en effet, un point, euh, je ne dirais pas du tout un point d'aboutissement, parce qu'il euh, y a toujours en moi la, la quête du Graal. quête on... voilà, c'est ah, le mot quête <laughs> je Voilà, c'est voilà, voilà, ouais. la quête du Graal. Et je crois que euh, être en quête du Graal, c'est une façon, euh, évidemment, toujours active d'être en marche, d'être en état d'alerte et, et en état de, 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 de penser, tout simplement. Et donc c'est tout ceci que j'essaie de, 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 de penser ensemble et différemment, mais hors de tout systématisme. Enfin, je ne suis pas oui. du tout un adepte du dogmatisme et de la... Et de, et de de la systématicité. Je suis beaucoup plutôt, euh, beaucoup plus un, un, un et beau, mais plutôt un adepte de la des fluidités. Enfin, en tout cas, d'un certain nombre de souplesse et de correspondance et d'analogie. Mmh. C'est plutôt dans ce registre-là que je me situe, ce qui me permet, en effet, d'avoir une, une variété de, 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 de et de d'être réceptif, en tout cas, à, à, à un grand nombre de, de messages. On le voit d'ailleurs hein, bon, à travers les, les, la multiplicité de références, hein, on va dire, bon, philosophiques, littéraires, qui parsèment votre essai. Hein donc elles sont très, elles sont grecques elles sont romaines elles, oui. sont, elles sont très germaniques occitan aussi Occ... eh bien occitan bien entendu on va y ouais. revenir ouais. mais c'est vrai que bon euh, vous avez donné vraiment l'impression d'être ce que euh, du philosophe préféré auquel vous avez consacré un petit livre euh, Frédéric Nietzsche hein, notre ce, ce solitaire de Sismaria appelé un bon européen hein. et avant de venir justement à vos à vos origines rouergoises euh, pouvez-vous nous, nous parler un petit peu d'un périple estival que vous avez fait récemment hein, sur les traces du bah, du solitaire donc des, des sentiers qui mènent Part, oui. hein, donc Martin Heidegger. Oui. Hein, vous étiez, je crois, en Swab oui, été, hein, Vous avez narré un petit peu votre, votre périple sur les réseaux sociaux oui. hein, vos, avec de très belles photographies. Oui. Donc, en fait, voit, à, voir, à, à déjà, vous voir déjà. D'ailleurs, je crois que vous avez écrit un, un, un texte hein, dans le Dernier Nouveau des Mans, je crois. Qui exactement. Est, euh, qui exactement est un, tout une fait. relation un petit peu de, de, ce, de ce périple. Oui. Donc, euh, c'est partir, euh, arpenter le, les, 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 les sites sacrés de notre grande Europe pour mieux revenir à l'endroit, donc, qui, qui est celui de, de votre Heimat, comme dirait les oui. votre patrie charnelle, votre patrie oui. originelle. Oui. Quelques mots sur ce périple en forêt noire, oui. bon, avant de revenir dans votre rouergue, si vous, bah, vous savez, le, à, 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 à mes yeux, les deux se superposent. Hein, de oui. La Heimat de Heidegger, mais précieuse pour bien des raisons, mais d'abord parce qu'il a lui-même pensé la Heimat, il oui. a pensé la petite patrie, et euh, dès lors que l'on pense la petite patrie euh, fut-elle celle de Swab, on peut penser par extension la sienne propre, bien entendu, oui. et... Euh, alors effectivement cet été j'ai eu l'occasion de faire un petit parcours euh, euh, allemand à la fois sur les traces de Heidegger et sur les traces de Jünger j'ai ouais, dit, dit bien ouais, sûr oui, oui. Donc j'étais très heureux de pouvoir lier de pouvoir faire ce circuit cette boucle là entre ces deux grands esprits qui ont correspondu entre eux bien sûr qui se sont mutuellement influencés dans via le, le, pour euh, Jünger le travailleur et oui. l'infection de d'Heidegger autour de la technique. Oui d'après guerre aussi voilà. Bien, sûr, ça, bien ça. sûr bien ah, sûr bien sûr. Et puis Karl Schmidt aussi qui est là dans le dans les parages également on a <laughs> c'est une même famille. Qui, qui, qui a d'ailleurs participé à, à ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Voilà, qui Et donc, cher, bon, <laughs> est donc. Exactement, c'est pour ça que je le, je le dis, c'est une référence importante pour la radio. Et puis pour pour les, les auditeurs, je pense aussi. Et oui, donc c'était très émouvant pour moi parce que c'est un itinéraire qui m'a mené euh, à la fois euh, sur la tombe de Heidegger. Je suis très attaché à, à, à ces lieux où euh, repose le corps des, en l'occurrence, d'un grand philosophe, d'un grand penseur, qui est un très joli, un très très beau cimetière où il est donc Martin Heidegger est enterré avec avec sa femme, avec euh, son frère et ses parents. Et puis, euh, j'ai fait le, pè le, pè le pèlerinage, bien sûr, de la hutte, la fameuse hutte de Heidegger. Mmh. Euh, après un parcours pédestre. Enfin. et alors Ce qui est très émouvant, c'est que la hutte, on, on, a, on a à l'esprit les images, puisque bien des photos ont été prises de Heidegger devant sa hutte et devant la petite fontaine qu'il y avait devant, où on le voit aller chercher de, de l'eau. Et le paysage et la hutte elle-même sont intactes. C'est-à-dire que lorsque l'on s'y rend, d'abord, il n'y a aucune indication. Ce n'est évidemment. C'est hors de. Enfin, il y a un Martin Heidegger Weg, un circuit Martin mmh. Heidegger, mais qui est extrêmement discret, très modeste, et on ne s'y trouve pas il n'y a, a pas foule, donc le lieu est vraiment préservé lorsqu'on est face à la hutte y et à côté, parce qu'on peut y aller, il faut grimper une colline, enfin c'est même, ce n'est évidemment pas carrossable, il faut y aller à pied et donc lorsque l'on s'y trouve, près de la, de, 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 cette, de ce tronc d'arbre avec la fontaine qui coule, etc tout est en place, enfin on, on a envie de dire que qu'on touche du doigt la permanence de l'être, mmh -hmm. en quelque sorte mmh. donc c'était très, très émouvant et très, très fortifiant pour moi et puis euh, je pourrais dire la même chose pour euh, Jünger, sauf Vous que là... À ouais. là aussi le cimetière, <coughs> encore, parce que c'est important d'aller saluer le corps de, 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 de ces grands écrivains, de ces grands penseurs. Donc, Villflingen, euh, là aussi, très joli cimetière, très, euh, très, très à la fois très. Ce sont des cimetières révélateurs, ce sont des cimetières de campagne. Mmh. Hein, nous parlions de campagnols. <laughs> euh, on ne sort pas de la Heimat, hein, on, on reste dans, 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 le, dans le même registre, évidemment, dans une, une ère européenne de civilisation, mais le registre est exactement le même. Donc, très très joli cimetière de Villflingen, où reposait Hans Jünger. Et puis, là, on peut visiter sa maison, euh, qui est euh, elle-même un, un, un musée vivant. C'est-à-dire qu'on on, on y voit évidemment ses collections de coléoptères, de papillons, ses livres. Euh, ah, C'est ces, euh, vraiment un endroit très, très, qui, qui est resté, je crois. Euh, enfin, en, en tout cas, on, on perçoit l'âme de, de Junger. Il n'a jamais été dénaturé, ce, ce lieu-là. Et on le perçoit très vite en, en y entrant. Et voilà. Donc, ça a été l'occasion, en effet, de faire le, 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 le tour d'un certain nombre de petites patries et donc de revisiter en même temps l'idée de, de petites patries, dans laquelle je me retrouve évidemment tout à fait, mais l'idée qui, qui n'est absolument pas euh, contradictoire avec l'idée d'une patrie plus grande ou d'une ère de, de civilisation. Tout ça, au tout contraire, très lié. Tout ça est ordonnancé. Tout ça fait partie d'une hiérarchie, disons. Ouais, d une, d une des, échelles, finition, des échelles qui sont complémentaires. Des, des échelles complémentaires. Et souvent, nous parlons dans, dans le cadre de... De, de, de notre mission, de oui. notre croisière corsaire, bon, de, de cette vision triscalaire de l'identité, de mm. notre racinement, c'est-à-dire, comme vous très bien, donc la petite patrie, la patrie charnelle, donc le Heimat pour, pour nos camarades allemands. Ensuite, le, sta, le, le niveau national, historique, la nation historique, bon, après qui peut se décliner de différentes manières, mm. à la française ou on va dire à l'allemande, pour, pour faire simple. Et après, bien sûr, le, 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 le niveau supérieur, civilisationnel, impérial. Voilà, et ces trois euh, stades, ne, ces trois échelles ne sont pas... Pas. Elle Absolument. se complète. Euh, elle, dans le... une vision subsidiarité, d'une certaine manière. Une conception de la subsidiarité et, et, bien et, pensée. Et, et, évidemment. Et, et c'est vraiment l'échelle la plus organique de l'organisation des sociétés, la plus juste, et la plus, celle qui colle le plus au réel des hommes. Je vais presque dire anthropologiquement. Alors, donc c'est la plus, la plus naturelle. Voilà, si vous me permet, le mot d'anthropologie vient à point nommé. Je voudrais que, simplement introduire la notion de génétique. Est-ce qu est que je peux épouser euh, l'AIMAT de quelqu'un d'autre Oui, probablement. Euh, en m'installant dans son village, en en apprenant les usages et en devenant, pour euh, y avoir passé 40 ans, je peux devenir un local tout à fait acceptable. En revanche, une chose que je ne conquerai jamais réellement et que j'estime moi exister véritablement, bien que ce ne soit pas très populaire de le dire, c'est la génétique du lieu. Il y a une épigénétique qui est liée aux conditions d'existence dans un certain lieu, dans un certain, une certaine petite patrie. Ça se voit tout à fait dans les vallées pyrénéennes et alpines, où quand on a passé cinq siècles dans les mêmes lieux, dans les mêmes vallées, ou dans la même vallée, on a des caractéristiques physiques, mentales, morales, de caractère, qui sont très différentes de celles de la vallée voisine. Mais Et donc, ça, oui. j'estime que, enfin, j'estime, je, la, la, la science tend à donner raison que l'épigénétique, c'est-à-dire ce que l'on acquiert dans ses gènes par les conditions d'existence dans le milieu, est très important. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas adopter à l'âge de, de 17 ans parce qu'on est tombé. Euh, donc, il y a aussi toute une réflexion à mener sur la, la migration, les migrants intégrés. Oui, les, mi les migrations internes, les, les migrants là, voilà, sont, sont, sont intégrés, ouais. mais ne le sont pas génétiquement. Mm -hmm. Voilà, tout à fait. Non mais là vous vous, vous prêchez presque avec convaincu, hein, en tout cas dans, dans le cadre de notre Alors, euh, Rémi, racination le terme. On dit qu'il faut remonter à Peggy, que oui. c'est Peggy qui l'a... Alors, alors, alors effectivement, c'est un mot. Peggy emploie le verbe raciner dans, dans, dans ses, un certain nombre de, de poésies, et dans un, un texte de prose, il emploie également le, te, le terme de, de, de racination. Et c'est un terme qui, lorsque j'ai conçu le projet de cet ouvrage-là, qui est venu immédiatement à mon esprit, c'est-à-dire qu'il s'est imposé, et que ce livre-là ne pouvait pas ne pas s'appeler autrement que racination. Non pas pour des raisons purement opportunes, puisqu'il y a évidemment le grand livre du Simone Veil sur l'enracinement, mmh. parce qu'il y a évidemment aussi les grandes réflexions de Maurice Barrès autour de la Terre et des morts, mais parce que je rencontrais avec ce mot-là, à la fois, euh, enfin, c'est ce qui met, je crois, peut-être plus, plus spécifique, à la fois le mot d'un poète, c'est-à-dire d'un créateur, d'un euh, homme qui a véritablement, euh, pour le coup, habité la Terre en poète, et euh, le mot d'un homme pour lequel la cité... Euh, C'est un, un terme sur lequel Peggy revient souvent. La cité comptait évidemment euh, énormément, enfin les deux, la terre et la cité étant, euh, y compris d'ailleurs la cité céleste ou la cité invisible, la cité que l'on pourrait dire non manifestée, pour parler comme un, un guénonien, euh, tous, ces, tous ces ordres de réalité-là s'imbriquent. Et, et le mot racination, dans, ce, dans son caractère de néologisme, euh, permettait d'exprimer de, de, tout ça de la manière, je reviens encore sur ce mot qui m'est cher, de la plus organique qui soit. C'est un mot également très riche parce que racination peut faire entendre race, nation. C'est oui, un mot qui peut oui, faire sûr. entendre aussi grâce, hein, mm -hmm. la grâce. Enfin, bon, voilà. C'est un mot qui est à la fois euh, charnel et spirituel, euh, temporel et éternel. En ce sens, c'est un mot bien péguiste. Et c'est un mot qui avait le mérite pour moi de, résum de résumer, de condenser ce, en quoi, ce dans quoi je vis tout simplement. Je ne ferai aucune distance pour le coup entre la, la vie et la pensée, mais c'est ce qui me constitue véritablement. Oui. Donc ce mot-là. Euh, je crois, dit l'essentiel, en tout cas, ouvre la porte essentielle de cet, cet ouvrage-là, dès lors que l'on accepte évidemment d'y entrer, d'y pénétrer, quitte à éprouver une forme de, 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 de sentiment, paradoxalement, d'étrangeté. Je veux dire par là que euh, la petite patrie, euh, chacun a la sienne, il faut l'espérer, en tout cas, c'est de moins en moins vrai. Mais euh, est, bon, pour ceux qui en ont, en tout cas, euh, euh, voilà, elles sont différentes entre elles, même si une organisation formelle y est tout à fait comparable. Mais il ne faut pas craindre aussi une forme de dépaysement. Quand je tiens le pays... Ce qui m'intéresse, le pays aussi, voilà, une, voilà un mot qui est très fort pour moi. Le pays, c'est le pagus. Le pagus, voilà, bien, bien sûr. Exactement. Et toutes ces déclinaisons, hein. le pays, le paysage, le paysan, et, 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 et les Paganiens, bien sûr. Évidemment, c'est la même Donc, famille. Ouais, ouais. Et même plus encore, le pagus et la pagina, mmh. en latin, la page, ont la même origine. Hein. Oui, ça, c'est intéressant. L'écriture du pays. Et l'écriture via la page, c'est-à-dire à -dire cette surface blanche, ce carré qui désignait autrefois un carré de vigne, également cultivé. Le pagus et la pagina, le pagus, donc le pays et la page, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'un enracinement dans les textes, dans l'écriture du monde, dans l'écriture du monde, parce que le monde est une écriture, évidemment. Il y a des signatures dans le monde, dans l'espace. Et le travail du poète, l'écriture du poète, au sens fort, la création du poète, mmh. euh, ben, se superposent, sont une, même, une seule et même chose. C'est un système d'analogie et de, de répons, en quelque sorte, qui se crée entre le monde et le poète, et le poète qui habite foncièrement. Alors, justement, euh, ce, ce, qui, ce qui fait vraiment euh, écho à ce que vous dites, Rémi, c'est un petit peu la structure d'autres ouvrages, qui est assez singulière. On a l'impression que c'est parsemé de. Ça va de l'aphorisme aux Petits textes, aux petits paragraphes qui sont superposés dans et qui sont mis en forme dans une série de chapitres. Vous l'avez fait un petit peu au gré comme ça, bon, de, de vos réflexions sur plusieurs mois, plusieurs années, des méditations, peut-être des carnets que, que vous noircissez à l'occasion et que vous avez mis en forme. C'est oui. comme ça qu'est qu né est Alors, c'est un livre qui me tient vraiment à cœur, parce que je crois que c'est pour, pour la première fois, ou en tout cas, c'est un livre dont la facture en effet formelle est très. Euh... Différente de, de, de la plupart des autres livres que j'ai publiés et également de, de, de la facture plutôt classique, traditionnelle des ouvrages en, en général. Et j'ai pu me le permettre, c'est-à-dire que qu'un euh, éditeur l'a accepté tel quel, sans en changer une virgule. Et euh, c'est une facture qui correspond parfaitement à la manière, à, à, à ma façon, si j'ose dire, oui. à la manière que j'ai d'écrire, c'est-à-dire d'une manière en général ramassée, condensée, synthétique. J'aime tout ce qui est. Euh, tout ce qui est dense et tout ce qui est potentiellement au moins pugnace. Euh, J'aime beaucoup l'esthétique de Joubert. Joubert disait qu'il rêvait d'un livre qui tiendrait en un chapitre, d'un chapitre qui tiendrait en une page, d'une page qui tiendrait en une phrase et d'une phrase qui tiendrait en un mot voilà ça j'aime beaucoup cette, cette idée là et le mot là évidemment en l'occurrence c'est racination enfin je développe et, oui, et si donc oui. il, y a, il y a dans ce livre là une succession d'étapes une succession de lectures une succession de réflexions qui sont toutes ordonnées parce qu'il y a un axe évidemment je ne fais pas du tout l'apologie de, de tout ce qui, de ce qui pourrait être désaxé au contraire c'est un livre qui est très axé enfin qui a un axe une voilà, colonne vertébrale oui, est, il est vertébral comme l'arbre il, il enfin ouais. il faut avoir il faut être un arbre enfin ouais. l'arbre est un des maîtres de sagesse euh, universelle et puis c'est un symbole voilà c'est un symbole très dans, sa, dans certaines mythologies, donc évidemment. ici de notre monde européen, hein, je pense bien sûr au Freyne dans le monde nordique voilà, ou a autre, autre c'est l'arbre du monde, du monde, euh, qui, qui, monde euh, qui, voilà, qui, et qui, euh, qui, euh, qui, voilà, duquel tout est ordonné, évidemment, les neuf mondes, en tout cas, dans ce cas-là, en particulier. évidemment, dans la mythologie en effet nordique, mais aussi dans d'autres, bien sûr, c'est vraiment un symbole universel. Donc, c'est un livre en effet qui, à certains égards, adopte la forme fragmentaire. Euh, une forme de diffraction comme ça de la réflexion euh, du regard et qui en même temps est, euh, je l'espère, en tout cas je l'ai lu comme ça et je l'ai écrit comme ça, solidement vertébré autour de cet axe qui est celui de la racination. D'ailleurs, il serait paradoxal d'écrire un livre sur les racines, sur la racine dans sa singularité, euh, si la racine ne tenait pas au sol et si elle ne donnait pas naissance précisément à un mouvement vertical, enfin qui, qui, qui aille vers, vers, <laughs> vers, vers, le, vers le ciel. Donc voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, en tout cas, c'est un livre qui, est, qui me ressemble, qui est d'une une très grande liberté et je oh me bon félicite que cette liberté-là m'ait été autorisée éditorialement j'entends ce qui n'a pas de soi nécessairement c'est vrai c'est pas toujours évident et je pense que Christian ne dira pas le contraire <laughs> euh, oui. il est dédié au sanglier oui on voit les paysages ça aussi c'est oui alors le sanglier là, là aussi ouais, ouais. c'est une d'abord parce que c'est un animal que, que j'aime le sanglier dans la tradition indo-européenne c'est c'était le symbole du pouvoir spirituel et sacerdotal tout à fait. c'est ouais, ouais. le pouvoir sacerdotal ouais, ouais. c'est celui qui est avec les druides et c'est celui qui est dans la forêt hum. et j'aime beaucoup les forêts et j'aime beaucoup les druides évidemment donc le, 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 le sanglier c'est cet animal chtonien et en même temps sacré oui avec qui, ça, qui a sanglier. mais évidemment bien sûr donc c'est un, un symbole Mais ah bah, crête, qui... qui évoque le oui, soleil là, là, exactement Exactement. Oui. Donc, il tient, lui, ces deux ses deux extrêmes, en quelque sorte, de oui. le sanglier. Et puis, c'est l'animal totémique des Gaulois, oui. hein, euh, réfractaire Alors, par, par nature. Alors, Rouergue, rouergue. parlez-nous un petit peu de votre patrie charnelle, Rémi. En plus, euh, bon, euh, votre ouvrage est parsemé d'extraits, de, de, de poèmes, donc euh, dans, dans votre langue native, si vous voulez, dans l'Occitan. Dans mmh. le, oui. le, donc euh, la forme de languedocien c'est le languedocien qui est parlé mmh. en Rouergue où on est déjà oui, c'est avec... une, une variante une de variante Langued de, de languedocien oui, que oui, vous parlez parfaitement en, en tout cas enfin, assez je, bien, en je, tout, je tout cas c'est bien je la lis de, et, ouais, et je me oui. suis forcé de l'apprendre effectivement oui alors, alors singularité le... de votre de, de votre patrie charnelle oui. hein, en, en quelques en quelques bah, phrases alors le Rouergue donc est une très vieille province française qui se situe dans les contreforts sud du massif central donc entre l'Auvergne et le Languedoc et puis à l'ouest la euh, C'est un, une vieille province française qui a eu une chance énorme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été charcutée, elle n'a pas été euh, euh, recomposée administrativement au moment de la Révolution française, ou plus exactement elle l'a été, mais d'une façon euh, mécanique, c'est-à-dire que l'actuel départ, département de l'Aveyron oui. a été calqué. Par, la par, la, par les révolutionnaires, euh, sur le découpage historique et naturel rare. Du, de la province au ouais, c'est très, très rare. Or, ouais. quelques paroisses hein, mmh. qui ont échappé, qui ont été rattachées au Tarn-et-Garonne à l'ouest, ou bien au Cantal au nord, mais c'est dérisoire. Mmh. Donc, c'est une province qui a conservé son identité, une identité historique extrêmement forte depuis bien avant euh, euh, jésus-christ et la conquête romaine donc, alors, et en plus il y a donc une configuration géographique qui fait que euh, cette euh, identité ce côté ce caractère un peu enclavé euh, est demeuré par nature puisque le rouergue est limité au nord par le plateau d'aubrac — euh, Entre granit fait, et, et calcaire on va dire et, non c Oui c'est la lave, lave hein, <laughs> c'est euh, un lave, pays ouais, de lave, ouais, ouais. voilà et donc euh, c'est un pays très très austère un pays très rude ouais. qui culmine à 1400 1500 mètres d'altitude au sud par le Larzac que Christian Combas qu'on bien ouais. euh, qui a un plateau aussi dans l'hiver euh, sur le oui euh, le Larzac le, le noir de chez bien le, aussi le cosse noir voilà. évidemment et puis euh, les cévennes bien entendu ouais. à, à l'est le, le seul, la seule ouverture géographique du rouergue c'est vers l'ouest donc vers la plaine de toulousaine mais mm -hmm. bon tout ceci fait que le rouergue est resté une province passant au stade administratif du département, il est resté une province. Ses habitants euh, sont restés, sont également très sédentaires, ce qui ne les empêche pas d'être également mobiles, puisque, enfin, d'avoir émigré, d'avoir oui. euh, à Paris, à, en Argentine, enfin, en, tout ou à San Francisco aussi, aux États-Unis, oui. il y a toute une tradition de l'immigration rouergate. Et du point de vue linguistique, puisque vous faisiez allusion à la langue d'oc, euh, qui est effectivement aussi présente dans ce livre, le, la langue d'oc qui est parlée en rouergue, celle que parlait ma grand-mère, par exemple, euh, et qui est sa langue maternelle, elle est un, un, un spécialiste de la langue d'oc Considère avec raison que c'est un, une langue d'oc très pure, parce qu'elle mmh. a subi très très tard les influences du français, très très tard, beaucoup plus tard que l'Auvergne par exemple, mmh. ce qui explique d'ailleurs que les Auvergnats n'aient pas l'accent occitan alors que les Rouergas l'ont conser conservé. C'est-à-dire que là aussi, la, la francisation a été beaucoup plus tardive et, et a, a, a moins, moins, moins imprégné les, le, 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 le peuple de la, de la nation de Rouergue. Voilà, donc pour présenter un peu cette, cette province-là, à laquelle je suis très lié, bien sûr. Voilà, et surtout pour des racines familiales, j'imagine. Ah oui, c'est ces un enracinement, en effet, très ancien, oui. puisque je me suis amusé à faire un, un arbre généalogique qui m'a permis de remonter jusqu'au XVIe siècle, enfin, à la fin du XVIe siècle, jusqu'où je pouvais aller. Et donc, la lignée des deux côtés, paternelle et maternelle, est une lignée rouergate, une lignée paysanne oui. et une, une lignée villageoise, bien entendu. Oui. Et si je m'abuse votre, votre patronyme, nom solière. Oui. Eh, donc, évoque ensoleillé. Ensoleillé, donc un lieu ensoleillé. Et c'est un lieu ensoleillé, contrairement donc... à ce qu'on pourrait penser, oui. parce qu'en français, évidemment, le Renvoie plutôt à quelque chose de. Ktonien, et oui, et donc, euh, euh, Mais le soulier, non, c'est sol solis en latin, tout simplement, et le soulier, c'est le lieu ensoleillé d'une ferme roergate, à l'étage ensoleillé. Donc soulier, soleil, solis, c'est aussi un nombre de, de présent dans, ce, dans, dans, dans la province, euh, renvoie au soleil, effectivement. Alors, effectivement, dans notre ouvrage, bon, il y a énormément d'auteurs hein, qui, sont, qui sont évoqués, des auteurs qui sont familiers à pas mal d'auditeurs de. De notre radio, beaucoup d'auteurs de, 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 aussi qui font référence justement à, cette, à ce romantisme ouais, allemand. Qui met très cher. Hein, de, voilà, qui, qui met, met très, très, cher. très cher du début du 19e siècle, ce fameux Sturm und Drang. Hein, on a Hölderlin, hein, le Grand Hölderlin, on a Novalis. On a, le, no. Novalis, hein, bon, euh, on a ensuite bon, des Britanniques comme Shelley. Oui. Hein, et, alors, par contre, on a la présence d'un auteur sur lequel déjà vous avez travaillé, mais dont j'ai l'impression, vous allez sûrement le confier on l'affirmer, qu'il est quand même bon, peut-être un petit peu l'antithèse dans le vrai, c'est Levinas. — Oui. Alors, alors euh, effectivement... — c'était un peu surpris. Alors, bon, il y avait... Enfin, oui, oui. surpris à la fois, bien sûr, après avoir lu... Bon, j'ai un peu compris voilà. pourquoi vous l'évoquez, mais... Bon, Alors, je, que... je, je n'ai pas je n'ai à proprement parler travaillé sur l'œuvre de Lévinas. En, en revanche, j'ai travaillé sur l'œuvre d'un de ses disciples et, et en même temps euh, un de ses disciples critiques, qui est Benny Lévy, oui, qui a vrai. eu une importance considérable au moment de 68 sous le nom de Pierre Victor, puisqu'il a été un des animateurs de la gauche prolétarienne, etc. Et il se trouve que, que Benny Lévy est revenu à la tradition, à la tradition euh, juive, euh, talmudique, disons. Et donc, ce, cet itinéraire-là m'a intéressé du point de vue qui était. Euh, qui est, qui, est, qui est le mien, et qui est celui, pour parler le langage biblique, d'un gentil, bien sûr. Alors, Lévinas, euh, effectivement, je, suis, je crois qu'il y a un geste philosophique qui est important chez Lévinas, qui est ce, ce geste de rupture dans la philosophie de l'être. Donc, c'est quelqu'un, en gros, grossièrement, sans vouloir être trop abstrait, qui a introduit dans le régime de l'ontologie occidentale, donc de l'identité de l'être avec lui-même, qui a introduit l'autre. Voilà. Et il le fait, l'autre avec un grand A, qui peut, être, qui peut prendre la figure de de Dieu, mais du Dieu conçu dans le sens du monothéisme et de la, de la transcendance monothéiste telle qu'elle est issue euh, du, monde, euh, du monde hébraïque, disons. Donc ça, c'est un geste philosophique qui, qui est intéressant. Ce n'est pas le mien, moi je suis du côté de l'identité de, de l'être avec lui-même, c'est-à-dire je suis du côté grec, mais c'est un, 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 un moment philosophique qui m'intéresse beaucoup. En revanche, en revanche, mais ça ce n'est pas l'objet de, ce n'est pas ma, la, le, ce, ce à quoi je m'intéresse vraiment concernant les dans racination. En oui, revanche, vrai. Euh, Lévinas est effectivement aussi celui qui nous a, enfin dont la Vulgate aujourd'hui nous a un peu tympanisés autour du visage, du visage de l'autre, etc., etc. Donc c'est de cet autre-là que je me saisis, et j'essaie de montrer en quoi Lévinas euh, se fait l'apôtre euh, du déracinement et d'un déracinement tout azimut parce qu'il va très très loin, y compris d'ailleurs euh, du déracinement de l'Europe. Hein, il, il, des... il considère par exemple que le christianisme a insuffisamment déraciné l'Europe, ce qui est quand même un comble. Et, euh, et on comprend qu'il le dise en même temps, c'est-à-dire qu'il doit, doit vraisemblablement trouver que le christianisme, ouais. le catholicisme, est encore trop romain pour lui. Mmh. Donc je m'attaque effectivement à l'évangélisation. Ah, parce que, que j'y vois, mmh. en effet, j'y vois l'antithèse de ce en quoi je, enfin de ce qui m'est cher tout simplement et de ce qui me constitue je prends donc en compte son, son, son geste philosophique mais je le conteste et je crois que l'illusion la, 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 la grande illusion de Livinas, à partir de sa pensée du visage et donc à, à partir de sa pensée de l'autre, c'est d'avoir une vision extraordinairement abstraite de l'humanité mmh. mmh. puisqu'il va jusqu'à faire l'éloge de Gagarine, hein, qui ce qui avait horrifié Heidegger mmh. évidemment avec raison. Cet, ce, cet homme qui il, pense, part... il disait que l'ère spatiale peut-être qui s'annonçait, bon, qui qu n'a pas été oui. allait justement bon précipiter l'homme vers un déracinement total, et oublier sa planète évidemment. Et, et il va tellement loin dans ce qui pour moi est horrible qu'il fait l'éloge de ce vide spatial. Qui, qui devient un pur espace géométrique. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, au fond, euh une ère dans laquelle tout est mesurable et calculable, où on peut absolument tout, euh, on, on peut donner des coordonnées à ça tout. C'est-à-dire pour un mathématicien, l'espace d'ici-bas est très très géométrique aussi. Oui, oui aussi, bien entendu. Le, le problème là, c'est que c'est un espace vide, c'est un, un, un espace qui n'a plus de. Oui. n'est plus habité, et qui n'est plus habité, au fond, si on suit les qui, qui, qui idéalement, pour lui, n'est habité que par des, que par des esprits, mm -hmm. hein, par des anges, pourrait-on mm -hmm. dire. Or, il y a une négation là de la de l'humanité, de ce qu'est l'humanité. Je, je, je reviens encore sur cette négation anthropologique en effet, c'est un problème anthropologique, puis métaphysique, puis politique conséquemment. Euh, et, et donc oui, Lévinas se figure un peu de, de contre-modèle dans cet ouvrage-là. Voilà, mais oui, je le prends au sérieux, je prends sa pensée au sérieux, que... et euh, je, je, me confronte, je me confronte avec elle. Oui. C'est extrêmement intéressant, il y a deux chapitres, au moins là je vois le chapitre intitulé « L'homme juif » qui commence par la phrase suivante « L'homme juif découvre l'homme avant de découvrir les paysages et les villes. Il est chez soi dans une société. » Avant de l'être dans une maison. Oui, c'est ce, ce, ce que dit Lévinas. C'est ce que dit Lévinas. Pareil, euh, si je prends une autre phrase, bon, je vais être très bien, parce qu'on n'est pas là pour vous parler de trop, trop de Lévinas on a autre chose à faire. Mmh. Aux nations païennes. Ou chrétienne, c'est-à-dire insuffisamment déracinée, mm -hmm. les reproche reprochent leur enfermement dans l'immanence, mm -hmm. leur panthéisme ou leur panenthéisme, mm -hmm. puisque les dieux participent du monde. Voilà, oui, oui tout à fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc euh, c'est assez, c'est assez parlant. Je, je, bah, oui, parce que c'est un contre-exemple, et ouais. je crois que ça vaut le coup d'être, dit, d'être discuté, et puis de, de se situer en effet euh, contre, en l'occurrence contre cet aspect-là de sa pensée, ouais. Voilà. Donc après, c'est vrai que bon, on a, on a aussi des, des références donc à cette, à cette euh, ce stade impérial, hein, ce niveau impérial donc euh, qui est une référence à la fois à ce modèle politique spirituel mais aussi au souvenir de la Romanité. Bien sûr. Euh, donc et puis voilà, on est. Votre livre vraiment est une, une promenade, hein, oui. une promenade inspirée. Et, qui nous ramène sans cesse donc à ces, divers, euh, ces diverses facettes hein, de notre identité, euh, dans toutes les branches de l'européanité, qu'elles qu fussent euh, grecques, romaines ou euh, germaniques. Et puis bien sûr, on, on, revient on retombe toujours sous nos pieds dans ce rouergue oui. qui vous caractérise. — qui, qui, Effectivement, j'ai essayé de mêler ce qui m'était le plus personnel, donc le plus... Euh, là encore une fois, le plus, le, plus, le plus organique, en quelque sorte, et puis de le déployer à travers une, une, un regard beaucoup plus, beaucoup plus vaste, mais qui peut avoir valeur de, de paradigme pour tous les enracinés, hein, tout simplement, mmh. indépendamment des, mmh. des petites patries. — euh, C'est intéressant. Fait, je terminerai là-dessus là, sur le livre en, en, en tant que tel. Hein. — la jeunesse de ce livre, vous le dites, c'est c'est votre fille qui revient de l'école. Alors, Alors, oui, c'est une genèse, je veux dire, oui, oui, qui est a un, un moment, voilà, en un effet, moment est, important dans est, la jeunesse. C'est très, très étrange, effectivement, ma fille revient de l'école, ma fille a, à ce moment-là était en classe de seconde, donc elle devait avoir, je pense, 16 ans, et, euh, et elle me dit, euh, ainsi qu'à sa mère, elle me dit, ah, je suis la l'une des rares à ne pas avoir pour reprendre sa formule, mmh. à ne pas avoir des origines. Et dans son esprit, des origines, c'était euh, forcément ne pas avoir euh, euh, ne pas avoir de lien avec un monde qui n'est pas immédiatement un monde provincial ou un monde français et je lui ai dit mais pourquoi, enfin comment comment pour petit dire ça enfin tu as évidemment des origines qui sont au contraire très vives et voilà je les ai nommées, ces origines là effectivement mais ça en avaient parlé à l'école il y, Alors, y a eu je un, débat, ou c c pas. Un, un, un climat C'est un, un climat ouais. un climat entre les, les élèves entre mmh. eux, en classe de seconde euh, et ben toi voilà d'où tu viens quel est ton euh, voilà et, et c'est un endroit tout à fait encore qui reste euh, un endroit pri privilégié si j'ose dire enfin c'était pas du tout on n'est pas du tout dans un euh, dans une dans une jungle ou dans un euh, elle était, elle était dans un climat vraiment un établissement plutôt protégé. Mmh. Mais né néanmoins, l'interrogation demeurait. Et donc, je lui ai expliqué effectivement ce qu'étaient les origines, ce qu'est l'origine et en quoi. C'est quand même très curieux qu'un enfant, euh, enfin une jeune, euh, jeune fille, se trouve manquée d'origine précisément parce qu'elle n'en a qu'une, en quelque sorte. Mmh. Ce qui est un grand paradoxe. Voilà. Alors, euh, nous allons terminer cette émission par une évocation un petit peu, mais justement, des, des moments euh, assez singuliers que, que vit notre pays. Et être aussi notre continent, parce que ça, ça, ça marque aussi ce qui se passe chez nous avec ce mouvement des Gilets jaunes et ce, ce climat insurrectionnel, marque aussi no, notre continent. Et comme je le disais en début d'émission, ben, vos deux ouvrages éclairent hein, singulièrement ces, ces, ces événements, hein, celui du Christian Davantage par justement ben, le, un portrait. À, euh, acide, euh, une portrait tout amer de cette caste aujourd'hui qui, qui montre un petit, petit peu sa, ses, limite. sa nuisance, ses limites et sa nuisance, de, de, en plus de manière paroxystique, hein, avec une sorte de fuite en avant, avec, bon, euh, euh, voilà, euh, une, la, la macronie euh, ambiante qui, vraiment, bon, là, euh, pousse le, le, le processus jusqu'au bout et puis, bon, en, plus, en tout cas, de, 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 euh, montre la, la couleur, de cette manière, et là, on est vraiment... Dans du, du mondialisme, dans l'oligarchie pure. Et hein, puis euh, dans et, du mensonge. Et oui, bah, le mensonge. Il règne, beau, mais là... ces gens-là sont en train d'essayer de régner par le mensonge. Ils bah. disent le contraire de ce qu'ils font ils disent le contraire de ce qui est. Ah, ben là, il n'y a qu'à voir les déclarations bon, bah de, de, ouais. de, de, de Macron, mais surtout de, de tous ses affidés, ouais, ouais. Le, le, le kéké de Haute-Provence en particulier, ouais, hein, ouais, qui ouais, est le de l'Intérieur, pour pouvoir qu'on est en mélange de cynisme et de sinistre euh, ouais, pantomime, ouais. de certaines manières. Euh, donc, je, je voudrais un petit peu bon, poser une, une première question là-dessus, et surtout aussi bon, par rapport au livre de, de Rémi. Qui, qui évoque donc cet impératif d'enracinement parce que bon, c'est vrai que ce n'a pas été très explicitement évoqué enfin, même dans la bouche des gilets jaunes même on a l'impression que de manière sous-jacente il y a quand même une insurrection euh, bon, de, de ces gaulois réfractaires qui effectivement bon, sont à la fois fidèles à leur génie propre, c'est-à-dire cette fameuse psychologie du, du gaulois bon, qui, qui a ce côté éruptif et qui effectivement souvent dans de nombreux moments de notre histoire réagit de manière éruptive hein, bon, on avait, je n'ai pas bien sûr à l'allusion à la Révolution à française, mais les multiples jacqueries que notre pays a connues, etc. Quelles étaient qu bon, pour des raisons purement économiques ou même pour des raisons après culturelles, la fameuse insécurité culturelle dont parle Christophe lui, bon, pour ne pas, pas dire identitaire, bien sûr. Donc est-ce que vous pensez que c c les, cette dimension-là, elle est beaucoup plus présente que veulent bien nous le dire ou plutôt ne pas nous le dire euh, les médias donc euh, stipendiés euh, qui sont les, les vitrines fidèles du système et de la propagande euh, gouvernementale. Est-ce que est-ce vous, c'est assez perceptible à votre niveau. Christian, bon, vous faites l'écho de cette France-là dans, voilà. dans vos chroniques hebdomadaires. Rémi aussi, vous êtes en, en, bon, en phase aussi quand même régulièrement. Vous revenez au ouais. de cette, cette -map. Vous avez sûr. bien sûr aussi tous les ouais. deux bon, mais sur des, des relations familiales ou professionnelles. Quel est votre avis là-dessus Un chiffre déjà. Ouais. La moitié de la population française vit sur 90% du territoire. C'est-à-dire que l'autre oui. moitié vit dans les villes et c'est celle qui est privée de la perception juste de la réalité. C'est cette moitié de la population qui vit dans la ville sans en sortir, en allant dans un château-hôtel. Mais ça, c'est pas la province, le château-hôtel. Mmh. Et donc euh, voilà, c est, c est, c est... donc il y a une moitié de la France qui n'a pas besoin d'être dessillée parce qu'elle voit le réel. Mmh et, et l'autre moitié a besoin d'être dissillée visiblement elle, elle est en train de l'être. Mmh. Oui, puis elle vit en autarcie effectivement, c'est un petit monde, enfin c'est le, le petit monde oligarchique euh, vit euh, entre soi et d'une manière euh, qui est euh, qui, qui n'a presque plus aucun, aucun point commun avec euh, l'ensemble du peuple. Enfin, il y a des sécessions multiples qui se font, sécession de la de la bourgeoisie d'un côté et sécession populaire de l'autre. Mmh. C'est pourquoi ce mouvement des, des gilets jaunes est, euh, est extrêmement euh, important. Il a il est en effet, le soulèvement de la France la plus... Euh, celle que Christophe Guillouis décrit comme étant la, la France périphérique, mais c'est-à-dire de la France profonde, de la France silencieuse, de la majorité silencieuse. Ce sont des formules qui la désignent, je crois, de manière tout à fait, euh, tout à fait juste, et elle se rappelle au bon souvenir des pouvoirs, justement, et là, du coup, elle, elle prend la parole, et c'est cette France de, 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 de conservatoire français, en quelque sorte, qui est en train de, de ressurgir. J'ai une idée que j'ai exposée dans ma petite chronique de Campagnol plusieurs fois, c'est que la Macronie en général et le pouvoir politique parisien depuis longtemps n'avaient pas eu les mêmes problèmes jusqu'à la faute essentielle qu'a commise Macron, celle d'aller chercher les gens chez eux par la réglementation. Et, et mmh. donc l'erreur majeure, c'était d'altérer la vie des gens là où ils sont par mmh. le contrôle technique des véhicules, par exemple, qui les ah, empêche oui. d'aller ah, au oui, village voisin. Les 80 km h Les 80 km, euh, voilà, 80 km qu heure, veulent, encore bah, que, moi, je connais pratiquement que des routes où on va à 60, 80, c'est dangereux. Oui, Si les gens ont fait un urticaire à, à propos du, du 80, c'est parce qu'on allait leur imposer une règle à la porte de la ferme. Mmh. C'est ça, la... et, et je vous fais observer que le même phénomène est à l'heure pour le compteur Linky. Le compteur Linky, oui, bien sûr, oui, en, tant que, en tant qu'objet technique, bon, on peut, peut prêter à à des critiques, mais, mais pas à ce point-là. Le problème, c'est que c'est une personnification, ce compteur Linky, du pouvoir de l'État dans la cour de votre ferme. Et ça, c'est essentiel. Ça fait penser à cette fameuse phrase, France, je crois c'est de Pompidou, je ne me souviens plus, c'est « Arrêtez d'emmerder les Français oui, ». Absolument. Mais surtout, de... de vous ingérer mais dans la vie quotidienne. La... C'est pas le rôle de l'État. Le type qui débarque avec un attaché caisse dans la cour de la ferme est de plus en plus mal perçu. Il l'était déjà dans les années 60, mais au fond, la France de Pompidou avait la sagesse de laisser ces gens-là entre eux. La France de Macron a décidé de les, de les écarrir. Et là, ça se passe très mal pour cette raison. Oui, je crois que la, 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 surexpo, la, la, la superposition des règlements, des normes, cette vision purement administrative et juridique euh, de, la, de la gestion, entre guillemets, le mot révélateur de la société, est une catastrophe. Oui. Tout simplement parce qu'on étouffe. C'est un étouffoir. On étouffe sous les contrôles, sous les réglementations, sur la surveillance, sur la censure, sur l'autocensure. La France est un, 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 un pays dans lequel la liberté est extrêmement surveillée. Donc si on ne laisse pas en paix les gens, si on ne les laisse pas rouler comme ils veulent, oui. avec la voiture ou avec la moto qu'ils ont, oui. si on ne laisse pas les gens penser ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent, arrive un moment où la... Où, et si en plus on les taxe sans arrêt, arrive un moment où la vie n'est plus, le est bien plus bien viable. Sûr. Mais bien sûr. Mais moi, bon, à mon petit niveau, j'ai ce souvenir de souvenir que bon, on roulait l'esprit tranquille avant 2003. Oui, on oui, nous faisait oui, putain de radar mais mais la et ça parlait après de tout l'Ouest. Vous disiez tout voilà. à l'heure que j'avais passé des années en, en, ouais, état, ouais. en Italie en Espagne. En trois ans d'Italie, trois ans d'Espagne, jamais été flashé. Ouais. Jamais. Ouais. En France, c'est une fois par semaine. Non mais c'est ça, c'est vrai qu'on a est, on, on est dans une, une logique totalitaire qui est de moins en moins soft, et là bon, on peut renvoyer nos auditeurs à, aux écrits notamment, bah, qui éclairent d'ailleurs de, de manière assez judicieuse les moments que nous vivons c'est Eric Wiener bien sûr hein, le, le politologue et le philosophe suisse qui avait écrit ces, ouais. ces deux ouvrages marquants qui ont été l'avant-guerre civile la post-démocratie nous y sommes complètement, en plein. et c'est vrai que là bon, les, les mots français qui sont pas nouveaux hein, l'hyperfiscalisme, surtout l'hypercentralisation qui a résulté bien sûr bon déjà de, de la monarchie absolu sous Louis XIV, et accéléré, oui, vient de très loin. Mais <coughs> vous parliez tout à l'heure de ces, de ces gars en caution de trois pièces et en qui débarquent de la cour de la ferme. Bon, à l'époque, c'était les percepteurs oui. et qui parfois terminaient très mal, avec Absolument. un coup de faux. Hein, Alors vous, vous de avez, dans, dans, vous avez dans là un phénomène. Euh, Macron a compris une chose instinctivement, parce qu'il a, il a, a de la ruse, comme tous les méchants. Euh, son, son intelligence est principalement rusée. Il a compris qu'il fallait qu'il reconquiert les maires, car les maires étaient en train de le lâcher. Mmh. Mmh. Et les maires euh, ouais. sont en train de lâcher parce que les maires ont compris qu'ils sont à la limite entre la haine qu'ils vont inspirer à leurs administrés ou l'indulgence qu'ils qu vont inspirer au pouvoir. Et ils n'ont pas choisi. Le pouvoir essaie de récupérer, les récupérer du côté de l'indulgence qu'ils ont pour, la, pour la, la mère patrie, en quelque sorte, en tout ouais. cas, la hiérarchie parisienne. Je pense que la moitié des maires sont déjà perdus. et préfèrent être sans culotte que l'ami du roi. Oui, mais bon, il y, y, y a fort en pensée, en tout cas, que la, la colère qui a mené donc bon, une bonne partie de nos compatriotes à réagir bon, sur un mode presque de, de, de désespoir n'est pas près de s'éteindre, de cette manière. Hein. bon cette ouais, oui, manière, c'est reculer pour mieux hein. sauter. Bon, là, au moment où nous, nous parlons, on ne sait pas trop ce qui va en être. Bon, un acte 5 était prévu à Paris, dans le reste de la France, pour le samedi qui va suivre. Bon, on ne peut pas trop se prononcer ce qui, ce qui sera. Bon, nous sommes en plus au lendemain donc, d'un attentat, ce qui est à Paris comme un attentat. Enfin, je n'ai pas trop subi l'actualité du jour, mais on fait de compte qu'il peut faire d'une certaine manière une diversion, hein, par, par en tout cas le calendrier euh, qui est le sien, mais c'est vrai qu'on est quand même, on, nous vivons quand même inédits moment inédit et qui illustre donc, comme je dit tout à l'heure, euh, cher Rémi, bon peut-être euh, aussi cette dimension d'arracinement, cette notion d'unité, est beaucoup plus présente qu'on veut le dire. Nous sommes en plus deux jours après la signature du pacte de, de Marrakech. — Il y a une chose non. qui va le, En plus, c'est quand même assez hallucinant, quoi. On parle pas de Marrakech. Et puis le soir même, il dit « On va faire oui. un débat sur l'immigration oui, ». Oui, oui. on a plié quelque chose avec ce, ce, euh, avec ce pacte qui est beaucoup plus contraignant qu'on veut le dire et qui aura des conséquences quand même bon, euh, sur les politiques qui sont mises en place par euh, nos gouvernants et même euh, à l'échelle européenne. — N'oublions pas pour l'enracinement le rôle de la nécessité. Euh, la nécessité, par exemple, de faire son jardin pour alléger les finances de, 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 du foyer commence à se faire sentir, et elle est un vecteur très puissant de réattachement au village. Oui, mais là, je vais nous emmerder. Il paraît que, bon, là, on va commencer à légiférer sur euh, le, 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 les interdictions diverses qui peuvent, euh, qui peuvent peser sur le, le fait de faire un potager. On, on a déjà eu... Non, là, on est en train d'en sortir. Quand, au contraire, ouais. les ah, graines oui. étaient réglementées par l'Europe, ouais. et en fait, ils se sont tout aperçus qu'ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont laissé mais, les ils graines... Ils ont voulu, quand même. Oui, ils ont, oui, oui, ils les ont, les ont voulu. Gens... Mais alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont laissé les gens développer leurs graines génériques, etc., à la maison, et un jour ou l'autre une grosse société va venir les leur racheter va venir racheter les petites coopératives pour essayer de fédérer tout ça En tout cas quand on voit que chez nous presque chez nous à Trèbes on bloque l'usine de Monsanto c'est déjà des petits signes positifs qui montrent que là aussi certains de nos compatriotes de premier Gilets Jaunes ont bien identifié Alors il y a l'argent quand même, méfiez-vous l'argent, c'est-à-dire s'il est versé, s'il n'est pas versé le sentiment de la pauvreté grave, la pauvreté des temps de crise est de nature à Soit faire recoller le peuple à, à la machine, euh, parce que sans ça on peut pas vivre, soit au contraire, perdu pour perdu, on casse la machine, parce mmh. que de toute façon on n'a pas d'argent et elle est incapable de nous mmh. en donner. Mmh. Je pense qu'il y a quand même une conviction chez les gens, chez les retraités notamment, que les retraites ne sont pas absolument assurées. Mmh. C'est que en, en cas de, de véritable pépin, on peut toucher la moitié de ce qu'on touche aujourd'hui, euh, comme en Grèce. Et ça, euh, si vraiment cette perspective se, se déclare, je pense que la colère deviendra de ravageuse. Et ben, le jour où on viendra maintenant où ce sont après les fonctionnaires qui n'auront plus le traitement inversé, mmh. on a quand même vu des cas de figure ouais, hein, euh, en arrivé, Argentine. Hein, L'Argentine, ouais, ça a quand même passé plusieurs fois. Alors que bon, c'est quand même des pays les plus développés d'Amérique euh, du Sud au ou de ouais. euh, ou de l'endemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit qu'aussi, nous ne sommes pas totalement protégés. Bon, effectivement, nous aurons sûrement franchi un pas voilà qui pourra justement bon, bah, favoriser euh, ce, ce, ce type d'élan. Oui, un euh, changement, oui. une évolution. Voilà. Ce, qui est en, ce qui est en cause, euh, au, au, au bout euh, du bout, si j'ose dire, c'est quand même la, la, la formidable démesure terrifiante du système de l'argent. Oui. C'est ça qui est au est cœur. Ça, la plutocratie internationale, ce qu'on appelle mmh. la mondialisation, ce n'est jamais que l'extension du domaine mmh. de l'argent, des échanges, de la marchandise et de la marchandisation, à l'échelon planétaire, et la mise en concurrence des peuples, des... Et tout, tout ceci à quel Fin. Ben, à une fin absurde qui va qui, qui nous conduit droit dans une certaine la foule, croissance folie. oui ouais, la, 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 la croissance et la fabrication d'objets enfin et, 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 et la prolifération des échanges or là encore une fois une vie humaine n'est pas n'est pas on ne peut pas l'enserrer dans cette dans cette perspective là uniquement elle n'est pas réductible on, à ça elle n'est voilà. pas réductible voilà. à ça c'est impensable et, 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 et nécessité fait loi en effet c'est-à-dire qu'arrive un moment si on est confronté au mur ben, les nécessités même, même si on n'est pas préparé philosophiquement les nécessités font qu'il y a un retour à la limite, mmh. un, un retour à la borne, un, un retour à la clôture. Alors voilà c'est là qui, que la racine qui est aussi, qui est aussi une protection. Mmh. C'est là que les racines sont essentielles. C'est quelqu'un qui est proche de ces racines et quelqu'un qui a du génie ou au génie au sens classique et au vrai. sens génétique aussi. Nous avons en Europe parce que nous sommes enracinés depuis longtemps. Du génie, du génie d'inventivité. De... Je prends volontiers souvent dans les dîners le cas de Jean-Michel Jarre, qui est un musicien assez honorable. En tout cas, les Japonais et le monde asiatique a inventé le synthétiseur. Il n'y a qu'un seul Jean-Michel Jarre, il est européen. Mmh. Donc ça, c'est absolument fascinant. Dans les années 70-80, on a assisté à l'émergence d'aucun compositeur dans ces nations qui ont pourtant inventé l'outil. Mmh. Oh, il y a Rouchisakamoto, mais bon, c'est une oh, expression <laughs> que j'aime beaucoup. <laughs> ah, oui. Alors, je prends le Voilà, tant euh, Dans tous les domaines, <laughs> qu'il s'agisse d'industrie, de, de... Non, mais je de, suis d'accord de, avec vous... Arts, vous nous, sommes, nous sommes le pays de l'imagination, et ça, ça va, ça va de pair avec les racines. Bien sûr, euh, c'est vrai que... L'homme technique, enfin bon, là, c'est vrai que c'est son était ce que notamment a développé Guillaume Fay, qui est un petit peu en désaccord avec Alain de Noix, qui, qui suivit bon, la thèse qu'on prête à guerre en général, d'après les travaux de Jean Beaufré. Mais c'est vrai que bon, euh, c'est l'homme européen qui n'a pas tout inventé mais il a réussi à l'industrialiser et à le perfectionner dans une ligne sans faible, pour le meilleur et pour le pire, sur, dans, dans une évolution avec une tranche historique, enfin, une période extrêmement brève euh, sur laquelle on a eu énormément de progrès on fait sur, sur, sur ce laps de temps assez, assez bref. N'oublions pas qu'on n'a euh, pas oublié l'humanisme pendant ce temps, que le, de la, le ministère de l'Industrie a des naïades nues sur, sur la façade. Mmh, bien sûr. Et ça se mélange entre le, le côté charnel de l'humanisme européen qui vient mmh. du monde romain et grec. Et l'industrie et le technologique, c'est purement européen. Mmh. Aux États-Unis, vous ne voyez jamais de Naïade sur les façades, mmh. et vous en verrez de moins en moins parce qu'il ne faut pas offenser nos amis. Je, euh, oui, <laughs> c'est vrai, mais je crains qu'on envoie de moins en moins chez nous aussi et qu'on les laisse. Mais non, euh, je, euh, crains des, sur, des, des je, je crains surtout qu'ils aillent marteler les statues, de, de peut-être pas à Vilnius, mais en tout cas dans, en Allemagne ou en Autriche euh, au nom de qui vous savez. Ah non, voilà, cette clair. Là, vu l'hystérie ambiante ouais. qui, qui nous vient directement des États-Unis concernant donc, ces, ces mouvements euh, néo-féministes, néo-puritains, puis ouais. après bon toutes les qui les revendications faire, ouais. de toutes les minorités possibles imaginables, imaginables, bon, on est effectivement dans ce type de, de logique, surtout en France, qui a été quand même la, la patrie historique bon, d'une du, certaines relations entre l'homme et la femme, faite de, de séduction, de galanterie. On hein, est quand même les contes d'amour, l'amour courtois, l'absence de, de prédation. Voilà. C'est-à-dire que le, la courtoiserie euh, de, de, de la renaissance est vraiment le, la transformation de, 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 du sexe prédateur en un sexe complimenteur, mmh. un insecte Dame galante. séducteur. <laughs> voilà, absolument, <laughs> les dames galantes. Bien <laughs> sûr. et ça s'est poursuivi aussi dans le libertinage, dans ce que le libertinage a de meilleur mmh. Hein, mmh. également, mmh. Euh, indépendamment de toutes ces, de, ces déviations. Il avait ensuite. de meilleur du, du moment qu'il restait aristocratique. Oui, donc, oui, oui bien, évité, entendu, bien, entendu, bien entendu, bien entendu. Alors, un, dernier petit point euh, avant de, de clore euh, cette croisière, cette émission. Il y a quelque chose qui a dû vous frapper, comme ça m'a euh, frappé également. C'est euh, lorsqu'on voit bon, euh, nos compatriotes euh, Gilets jaunes euh, s'exprimer bon, euh, au micro, euh, à l'écran, on voit cette difficulté qu'ils ont de formuler clairement une pensée, Et vous euh, la des sentiments. chez les, les Tésards aussi. Hein. Pardon. Chez les non, oui, bien sûr, mais là, beaucoup plus. C'est vrai que bon, là, je pensais à ce que vous, ouais. vous disiez tout à l'heure, Christian. Bon, par rapport, ben, à l'époque où on faisait ces humanités, ouais. c'est vrai que lorsqu'on on se rappelle quand même, bon, de ces lettres que les poilus écrivaient. Ah oui, ça. Qui fussent ce Et le plaisant... ben voilà, ouais. voilà. Ouais. Et là, ben, là, on pense tout de suite, ben, euh, à la, euh, au fait euh, de notre éducation nationale qui est aujourd'hui sinistrée depuis plus de trois décennies, alors qu'elle a été quand même une des meilleures du monde. Et, et c'est quand même frappant, cette manière. On voit, eh bien, bon, je ne parle même pas des, 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 des tournures, d'ailleurs, vous, vous en parlez euh, souvent dans votre livre, mmh. euh, concernant le, le, le massacre de la langue par nos pas élites. François Hollande. Vous le citez longuement, d'ailleurs, à un François moment, c'est cocasse. C'est C'est pathétique. Hein. Ignorant, hein. mais François Hollande, c'est ce qui est absolument accablant, je le dis solennellement, j'espère qu'un jour ça circulera. L'Académie française n'a pas réagi un instant devant le français de François Hollande. Ces gens ne méritent pas leur médaille. C'est honteux. Normalement, ils auraient dû se lever tous d'un bloc quand il a prononcé ses discours les plus infâmes. Ce, ce, ce type ne maniait pas, tellement pas bien la langue qu'il ne pouvait pas penser justement. Oui, mais ben aujourd'hui, par exemple, moi, c'est les tournures qui me font toujours bondir... Oh, maintenant, c'est le, le commun. Hein. On voit le, 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 la, la, la petite journaliste euh, sur, sur BFM TV qui parle. Le ministre, il a dit que. Oui, non, mais attendez, il a dit. Y a des... du le, film, le, le, il y a dit. Non, mais ça, ça, a... dire, comme ça François oui, Hollande, ouais. vous décrivez, vous dans un discours, euh, Nelson Mandela comme un combattant infatigable de l'Apartheid. — C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. — Donc il disait le contraire de ce qu'on voulait dire. C'est quand même un type qui a envoyé un tweet à 10 millions de personnes en France, si c'est pas 40, le soir du 1er de l'an 2014 ou 2015. « Français, c'est vous qui aurez le dernier mot à i Signé François Hollande, palais de l'Élysée. Donc ça, on l'a un peu oublié. Il n'y a pas eu un seul académicien pour nous le dire, ça c'est peut-être pour ça que je n'y entrerai jamais d'ailleurs. <laughs> comme Jean Co qui fut, qui fut tenté un certain temps, comme il a dit. Bien, mais écoutez, je pense que le moment est venu de, de clore euh, cette émission. Euh, je voudrais donc rappeler euh, vos ouvrages respectifs. Et puis bon, mais en tout cas, vous encouragez dans, dans vos écrits, dans, dans vos démarches courageuses. Hein. Donc vous, Christian, inlassablement, vous, vous avez des retours donc de la France de Campagnol, de la France que nous aimons. Ça et et ça peu, alimente là, oui. un peu vos, 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 oui. vos chroniques euh, bon, euh, salutaires. Donc vous avez signé « Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos ». Donc, dans une nouvelle édition actualisée et augmentée. Donc, publiée, republiée au retour aux sources, donc en éditeur ami que nos éditeurs connaissent, pour la modique somme de 18 euros. Voilà, une belle, une belle édition. Et 4 dans la version. Euh, numérique. Et 4 dans la version numérique, voilà. <laughs> mais bon, là, nous, on peut en chercher, bien sûr, euh, sur la grande toile. Donc Rémi Soulier a signé chez le courageux euh, éditeur Pierre-Guillaume Deroux, donc un ouvrage intitulé Racination, Racination avec T.O.N., hein, je, je, je précise, pour la somme de 23 euros. Et puis voilà, c'est un ouvrage qu'on peut ouvrir n'importe quelle page et on peut vagabonder. Bon, C'est un ouvrage avec lequel je vagabonde régulièrement, je, je le reprends et puis surtout on peut l'amener dans, dans les vignes, euh, mmh. donc sous un bon pain, oui. euh, avec, avec, à l'écoute des, des cigales lorsque le, le moment est venu, donc on attendra l'été prochain en tout cas. <laughs> euh, donc Rémy Soulier, Racination, Pierre-Guillaume de, Pierre de Roux, et puis bon, Rémy Soulier qui est un collaborateur régulier d'éléments donc, mmh. hein, donc euh, la nouvelle formule d'éléments euh, le magazine des idées. Euh, des projets euh, dont vous pouvez nous parler éventuellement ou... Un nouvel ou... ouvrage, oui, sur lequel je travaille. Euh, mmh. C'est une phase d'élaboration euh, qui sera dans la lignée de racination et qui oui. tournera peut-être avec des, des, les, la, même, euh, le même, la même procédure, la même facture, donc à la fois littéraire, philosophique et politique, autour de la question de la, de la connaissance et de, la, de ce qu'est connaître, enfin euh, et de la, de la poésie, enfin et puis euh, voilà, de la, de, la, de, la, de la vie politique également au sens noble du mot, enfin du politique, disons. D'accord. Christian, je peux demander des... Des projets euh, immédiats ou deux. Enfin, donc... Il me reste deux livres à écrire. Deux livres un à écrire. Un petit et un gros. D'accord. Le, le petit, euh, c'est chez, chez le même éditeur. Ça répond à la question. Est-ce que l'absence de désir sexuel pour quelqu'un va finir par passer, passer pour de la discrimination Ah, <laughs> c'était une excellente question. Ouais, parce qu'on va finir par y vous venir. Vous hein, alors... Du sketch de Sophie Domier et Guy Bedos, non. où la fille dit "Mais qu'est-ce qu'il a mais Il est libanais. J'ai horreur de ça." Voilà. Alors ça, ce genre de choses va mmh. être et déjà interdit. Et donc, on ne va pas pouvoir manifester son aversion pour un certain type de femme Oui, ce, Ou sera, la... oui, ce sera de la stigmatisation, Alors, ça, de ça la discrimination. Un, ça me voilà. paraît voilà. un thème d'essai de, ouais. de, assez puissant. Oui, ça peut être intéressant. <laughs> et, et donc, le, 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 dernier, le dernier livre de ma vie, probablement, qui me, me prendra relativement longtemps à écrire, c'est la version littéraire de ce que je viens de vous raconter, mais vraiment littéraire. D'accord. Il y a toute une partie qui est plus intime, plus, beaucoup moins people, qui est bien plus campagnarde. Et qui, qui s'achève aujourd'hui où je m'occupe d'un vieux monsieur de 90 ans au quotidien, ce qui est une expérience assez métaphysique. D'accord. Dans la lignée des loges de la vieillesse justement. Bon. Du oui. Coup, bah, bah, euh, quand voilà. on fait les loges de l'âge, il faut il ouais. faut assumer. Et, euh, voilà. Mais là, je suis dans la période où ce monsieur voit pratiquement des anges tous les matins. Mm -hmm. Donc, ce qui est euh, des paysans, mais, <laughs> mais <'imagine>. plus fatigant. <laughs> Et le premier ouvrage, donc, devrait sortir dans les mois qui viennent Oui, oui ouais. normalement, oui, c'est ça, avant la fin de, 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 de l'année 2019. Normalement, va à, 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 à l'été prochain. Bon, mais nous en reparlerons ouais. sans aucun doute, ainsi que du votre Rémi. en tout cas, vous savez maintenant que vous êtes les, euh, les bienvenus régulièrement. Merci. Pour, Merci cette, pour cette <laughs> croisière, donc, euh, corsaire euh, que nous aimons, donc, euh, organiser régulièrement. Donc euh, encore merci à Lotte Tesla, donc, euh, toujours fidèle et indispensable euh, comme il se doit pour le, le rôle de maître suprême de la technique. Euh, donc euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour de nouvelles émissions de Méridien Zéro. Donc euh, que votre serviteur soit à la barre ou pas, bien sûr. Plus que jamais, donc, restez éveillés, euh, continuez à vous former et plus que jamais, à l'abordage <laughs> et pas de quartier.